Alors les gars, quoi? Ah, je suis deg, vous êtes deg, nous sommes deg, nous sommes tous. Bienvenue à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, voilà, hein. Vous savez ce qu'on va parler, on va parler longtemps de ça. Alors, on est déjà plus de 60 sur une notif direct, je sais très bien. Je pense qu'on va parler un petit moment de ce qui vient de se passer, on va interagir ensemble. Je pense qu'on est tous d'accord sur la finalité des choses, mais voilà, j'ai le démon, putain, ouais, mais je pense tout le monde. Hein. Alors attention les mecs, qu'on mette clair, vraiment, ce ne sont pas des supporters. Ouf. Il y a un truc quand même qu'il faut que je balance. En vrai, dans ce que je vais dire, j'ai envie de dire que ce ne sont pas des supporters marseillais, mais j'ai un abonné, les mecs, que je côtoie. C'est un abonné fidèle. La tête d'homme, vous allez être choqués. C'est un abonné fidèle qui me suit depuis longtemps et il m'a dit, ouais, mais c'est vous aussi, vous avez cherché, nanani, nanana, la bouteille sur paillettes. Et en fait, c'est un mec, il était avec eux. Bon, je pense pas s'il faisait partie de ceux qui a caillassé et tout. Mais les gars, je vais retrouver les... je vais pas balancer le blaze du gars parce que, encore une fois, je respecte et puis voilà. Mais je vais vous lire, les gars, ce qu'il m'a écrit. Et vous allez me dire, soyez honnêtes, les mecs. Vous allez dire ce que vous en pensez. Je vais vous montrer comme ça parce que j'ai pas envie. Là, il y a mon petit stream TikTok là en dessous. Bref, je vous montre vite fait comme ça. J'ai pas envie que vous voyez son blaze. Mais en gros, je vais lire ce qu'il m'a écrit. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Franchement, soyez très honnêtes, les mecs. Soyez très honnêtes, s'il vous plaît. Je vais remettre juste du son derrière. Comme ça, c'est cali. Soyez très honnêtes et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Moi, j'ai été choqué de ses paroles. Et carrément, je lui ai répondu froid. Parce que déjà, de un, j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Et ça, c'est des trucs à embrouiller, clairement. De voir ce qu'il m'a dit, ça m'énerve en plus. Mais bref, s'il est là, je te fais quand même un big up, mon sang. Mais bref, du coup, je vais vous lire. Il m'a répondu à ma story. Parce que ceux qui me suivent sur Snap, j'ai bombardé les stories. Parce que de un, j'ai la haine. Déjà, j'ai la haine, je vous le dis. Il a dit, hayaya, j'étais là, c'était hard, avec un smile qui rigole. Je fais PTDR, ça te fait rire, toi? Il me dit, frérot, ça aurait été Lyon avec le bus de l'OM. Tu me dis que ça aurait été pas pareil. Le sang,
Vos supporters, ils s'amusent à jeter des bouteilles et tout vers le virage nord, ça va partir en couille. J'ai même reçu une bouteille à côté du crâne. Donc ça, je pense qu'il parlait à l'heure actuelle quand les supporters lyonnais sont entrés en tribune. Mais ça, c'est ce que j'ai dit avec ce qui vient de se passer. Le match, il va partir en couille dans tous les cas. Frérot, les supporters lyonnais, ils se font caillasser. Tu crois, même si c'est débile de répondre, tu crois qu'ils vont pas répondre ou quoi? Bref. Après, j'ai dit, bien sûr, ça va partir en couille. Gros, regarde ce que vous avez fait. Tu crois les supporters lyonnais, ils vont pas péter un plomb ou quoi? Il dit, ouais, normal. Après, il a dit, mais ils vont rien faire chez nous, crois pas en rigolant, tu vois. Ok, frère, genre comme si c'était en mode provocation, tu vois. Après, il a dit, j'avoue, c'est chaud le coach, mais bon, frère, le speaker annonçait que le match allait être annulé. Nani. Je fais, bah ouais, c'était sûr. Après, il me dit, mais frère, vous avez fait pareil une année au stade avec la bouteille sur paillettes et tout. Vous cherchez, normal, on répond. Alors, est-ce que, les gars, répondez oui ou non. Est-ce que c'est comparable une bouteille cristalline? Alors, c'est, je dis pas, hein, il n'y avait pas à faire ça, et puis voilà, le match a été reporté, entièrement normal ce jour-là. Mais est-ce que c'est comparable il y a 2 ans contre Payet et ce qui vient de se passer maintenant? Alors, soi-disant, c'est une vengeance. Là, frérot, on est un peu loin sur le délire vengeance, je pense. Alors, les gars, je veux voir un peu votre retour un peu. C'est une honte. Ah, mais c'est honteux, frérot. Alors, maintenant, donnez-moi maintenant votre avis. Est-ce que c'est comparable? Tu veux ouvrir? Ouais, si vous avez des packs après, dans 5-10 minutes, d'abord on débrief, les frères. Mais mais on est d'accord. Moi, les gars, j'ai plus répondu à partir de là. J'ai plus répondu. Et pourtant, regardez, hein, il a continué à m'écrire. Et je vais vous lire la suite. Parce que je l'ai pas lu la suite. Merde. Alors, est-ce que ça fait le... Vous avez vu, hein? Et ça, c'est juste un supporter marseillais qu'en soi, je respecte à fond parce que c'est un abonné, nanani. Je pense qu'à mon avis, ils sont chauds, mais je cautionne pas ce qu'il dit et je le balance, tu vois. Bref, reporté pour quand? Mais ça, on n'aura pas l'info, ça faudra attendre. Bref, voilà, tout le monde dit non, les trois quarts dit non. Bref, c'est incomparable. Ensuite, il a dit, après, frérot, le chauffeur, c'est un sgeg, il passe devant le vélodrome, frère, alors que tous les autres bus d'autres clubs font le détour et c'est bien sécurisé. La vie de ma mère, j'ai jamais vu ça. Il est passé devant nous, genre, on voyait les joueurs et tout. C'est pour ça en caillasse, frère, il me dit. Les gars, retenez bien ça. Retenez bien ça, ce qu'il m'a dit. Le bus passe devant nous, on voyait les joueurs. Alors, ok, c'est peut-être une erreur qu'il n'y a pas les vitres teintées et tout ça. Déjà, ça, c'est une... ça je comprends pas, mais bref. Bref, et du coup, il dit... Après, il a dit, il y a un début à tout, vos supporters, ils ont jeté des fumigènes devant le vélodrome avant de rentrer dans le stade, je sais pas quoi. Bref, ça, soi-disant, du coup, son excuse, c'est... Le bus passe devant les supporters, on voyait les joueurs, et du coup, il fallait caillasser. Mais c'est... Pff, les gars, réalisez. Nique les Lyonnais, mais toi casse-toi de là, toi. Rentre chez ta mère, toi. C'est un baiser, lui. Oh là là. Mais en plus, il y a des geeks comme ça qui viennent en commentaire. Les 3 quarts, 99% des personnes lambda, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, je vais dire des noms, blaze. Ça mérite nulle part. Nulle part, frérot. Mais je vous ai même pas fini de lire la conversation encore, hein. Et que lui, frère, vas-y, frère, qui. Allez, synthé quand même. Les gars, j'espère que vous allez monter en Ligue 1 et qu'on va rester en Ligue 1 et qu'on refait les derbies. Lyon fait semblant d'avoir mal pour pas les jouer. Mais toi aussi rentre chez ta mère. Mais les gars, vous êtes des oufs. Mais vous êtes des oufs. Mais les gars, il y en a sérieusement, vous pensez comme ça? Mais vous êtes des malades mentales. On mérite pas de gagner sur tapis vert. Même moi, j'ai pas envie qu'on gagne sur tapis vert. J'ai envie qu'on joue ce match. C'est même pas la question. Mais il y en a, vous êtes des oufs. Fabio, gros, commotion cérébrale. Mais t'as normal, frère. Il a une entaille de 3 cm, frère. N'importe quel club, n'importe quel joueur qui a ça, les gars, c'est interdit. C'est même pas négligeable. Les gens qui disent, ouais, Lyon, vous avez peur, vous allez gagner votre premier match, nanani. Mais vous avez pété un plomb, vous. Tu vois? Mais c'est pas des vrais supporters. Mais dans tous les cas, il y a des gens, ils sont juste débiles. Ils connaissent rien au foot, ils connaissent rien. Frérot, t'as ça, que ce soit. Maintenant, vas-y, les gars, on va sortir une parenthèse. Imagine, c'est ta famille dans le bus. Tu réagis comment? C'est ta daronne, frérot, qui te prend un putain de pavé comme ça. Imagine. Les gars, est-ce que vous réalisez ça maintenant? Les gars, 2 putains de pavés, hein, sur Grosso. Vous avez vu le sac et tout? Après, on va essayer de montrer des images. Je sais même pas si je suis autorisé, les gars, via TikTok, via YouTube, de montrer des images. C'est pour ça, pour l'instant, je montre 0 image. J'essaye de cacher un maximum. Mais toutes les images que vous voulez trouver, les gars, vous les trouvez sur Twitter. Ok? S'il y en a qui veulent voir, les gars, vous trouvez toutes les infos. Et les gens qui disent, on a des bons supporters. Mais même, ouais, ça va, Youssouf, tranquille. Même, les gars, nous, on a des supporters de merde. Des fois, c'est débile. C'est débile. Vraiment, les supporters. Mais ça, c'est le football d'aujourd'hui, les gars. Frérot, c'est n'importe quoi. Ça part en couille à chaque match. À chaque match, ça part en couille. C'est n'importe quoi. Allez sur Prime. Mais ouais, mais même ceux qui ont pas les infos, allez sur Prime. Bref, les gars, je vais quand même lire la fin de la truc. Après, moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais frère, t'es un malade. Y a même pas d'excuse à ça, tu vois. Parce qu'il m'a dit, comme ils ont vu le bus passer, c'est normal, ils ont caillassé. Et il me dit, non, je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Le coach et tout, c'est inadmissible. Donc là, il a accepté, tu vois. C'est pour ça que je lui dis respect. Je pense qu'il est dans le feu de l'action. Moi, je suis marseillais, mais c'est honteux en vrai. Mais bien sûr, mais même moi, ce serait. Même moi, les gars, quand c'était Lyon avec le jeu de bouteille, là, enfin le délire de bouteille, j'étais dégoûté. J'avais la haine contre le supporter qui a lancé ça, alors que c'était un soi-disant lyonnais. Mais ça, encore une fois, c'était une personne. Là, on parle d'un groupe de personnes, les gars, qui a pris pour cible.
Vous le voyez dans les vidéos, il y a même pas ça, tu peux même pas dire ouais, c'était pas un supporter, c'est nanani, c'était une ou deux personnes. Les gars, vous le voyez dans les vidéos sur Twitter, c'était vraiment un groupe qui prenait en partie. Et je vais peut-être abuser, mais pour moi, il y a une bonne cinquantaine de personnes, voire même peut-être une centaine, parce que sur une vidéo, on voit peut-être que j'abuse sur le mot centaine. Mais les mecs, vous le voyez, vous tapez sur Twitter vidéo nanani Kayas, vous le voyez. Dans tous les cas, bref, après il m'a répondu. Mais après, on a voulu répondre, peut-être pas comme ça, mais bon, après, crois pas, j'ai Kayas, moi, hein, mais ça, je sais très bien que lui, il a pas Kayas. J'étais à côté, j'ai tout vu, mais j'ai pas Kayas, pas envie d'aller en taule, MDR. Après, faut pas dire, c'est les supporters, c'était un groupe de 10-15 gogols, ils ont voulu faire les voyous à Kayasé. Ça met encore une mauvaise image de notre club. Ben ça, les gars, maintenant, va falloir assumer. Hein. Dans tous les cas, il y aura une très mauvaise image qui va se passer. Mais voilà, les gars, bref, encore une fois, je respecte le frérot qui m'a écrit, qui était présent sur les lieux. Voilà, il a voulu défendre une position que j'accepte pas, mais voilà, chacun son avis. Mais voilà, pas une centaine, j'ai été vu, il a été assez... Mais ce sont des gamins. Ouais, j'abuse peut-être sur une centaine, mais il y a une bonne cinquantaine de personnes. Et les gars, je suis pas fou en disant ça. Il y a une bonne cinquantaine de personnes. Ami Lionel, je suis lancé, ça va quoi? Bienvenue à tous les gars, désolé si j'ai pas répondu à tout le monde, je vais essayer d'interagir maintenant. J'avais besoin de dire ce truc, là, c'était hyper important. Là, c'est... Voilà, je l'ai dit. J'étais avec mon fils, mais force aux familles qui vont là-bas. Moi je pense que rien que les supporters lyonnais qui se déplacent, frérot, imagine tu te déplaces, tu fais déjà 5-6 heures de route, frérot. T'es dans un bus, tu te fais caillasser, mec. Franchement. Déjà le bus du club il se fait caillasser. Les bus des supporters ils se font caillasser. Les gars, au bout d'un moment. Ouais, mais même ça, Tom, j'ai vu l'image avec l'AEK là. Vous étiez ensemble. Mon cousin y était, mais c'est grave. Pourtant la sanction sera quoi? C'est une très bonne question. Moi les gars, je vais être honnête avec vous. Pour moi, ça va être un tapis vert. Même si ça ne doit pas être mérité et j'ai envie qu'on joue. Mais pour moi, ça va être un tapis vert. Je vais vous expliquer pourquoi, les mecs. Payet, vous vous souvenez de l'histoire de Payet? On a eu un retrait de points. Je sais même plus, le match, il a été rejoué avec l'histoire de Payet ou pas? Ou on a été tapis vert, nous? Je crois pas on a été tapis vert, mais il y a eu un retrait de points, en tout cas. Bref, en tous les cas, les gars, il y aura une sanction niveau pénalité, les gars, envers Marseille. La pénalité, ça sera soit le tapis vert, soit match à rejouer, mais retrait de points. Et retrait de points, ça sera 1 avec 2 en sursis, un délire comme ça. Étant super Stéphano, soutien Lionel, merci mon frère Enzo. C'est les Marseillais qui sont. Quoi? Oui, qui ont attaqué le bus du Lyon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Déjà, il y a 2 ans, le match arrêté pour une bouteille, j'avais les boules. Mais oui, mais même ça, il n'y avait pas à faire il y a 2 ans, tu vois. Il n'y avait pas à jeter ça, on cautionne pas. Mais là, ça va à l'extrême, vous faites les malins chez vous. Mais c'est quoi ce commentaire inutile, mon frère? Ça veut dire que... Maintenant, vas-y, attends. Moi, maintenant, je vais parler en nom des supporters lyonnais, frérot. Tu me prends à partie, moi, si tu veux, je m'en bats les couilles. Ça veut dire que nous, on est en train de réagir à ce qui se passe. On dit que c'est inacceptable, et là, on fait les malins. Juste parce qu'on est chez nous, nanani, nanana. Mais frérot, qu'on soit à Marseille, nanani, nanana, c'est même pas le... On a vengé Payet, mais vous êtes des débiles. Y a pas d'autre mot. Vous êtes des débiles. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je vais même pas, les gars, je vais même pas répondre à certains débiles encore qui sont là. Parce que là, les gars, vous donnez raison. Là, ce que vous êtes en train de dire, vous donnez raison à ce qui vient de se passer. Ça veut dire, vas-y, par exemple, M135, toi, tu donnes raison à ce qui vient de se passer, là. Vraiment. Dommage, mon fils était content d'aller voir le match, je l'ai ramené au quick. Bah, au moins ça, frérot. Mais tu vois, même RKH, les gars, c'est un supporter marseillais, même lui, il est dégoûté. Ça sera tapis vert pour Lyon, mais je pense que ça va être tapis vert, clairement. Clairement, même si j'ai pas envie, c'est juste du foot. Mais c'est plus du foot, ça part trop loin, c'est ça le problème. Les supporters lyonnais ont fait... Mais ce qu'ils ont fait, mais même, frérot, s'il y a même pas de... Même, c'était sûr que les supporters lyonnais, ils allaient réagir débilement. Les supporters qui étaient présents, tu crois qu'ils allaient réagir comment, frérot? Yo, ça va réagir comment? Ça va, Momo, mon frère, tranquille? Il n'y aura pas de tapis vert. Les faits se sont joués. Mais ça, c'est aussi un fait qui est possible, du coup. Payet, c'était dans le stade. C'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Des pères de famille et même des supporters lyonnais viennent de loin. Ça dégoûte. Mais c'est clairement ça. Ça dégoûte de fou. Ça dégoûte de fou. Mais moi, Momo, je t'explique pourquoi c'est potentiellement un tapis vert. Parce qu'en fait, il y a eu attaque directe et blessure directe envers plusieurs membres de staff, parce qu'il n'y a pas l'entraîneur, il y a aussi l'entraîneur adjoint qui est ouvert à l'arrière du crâne, les gars. Si jamais vous le voyez via les infos, match tapis vert, au moins vous aurez des points. Ouais, mais vas-y, toi, je te réponds même pas, frérot, parce que. Bref. Moi, je vous dis pourquoi ces possibilités. Juste parce que, les gars, il y a eu des blessures directes. Et ce qui s'est passé, c'est grave. C'est juste pour ça. C'est la seule possibilité que je vois. Maintenant, les gars, je vous assure que si Lyon, ils voulaient jouer le match, hein. On rappelle, même Textor l'a dit, les joueurs lyonnais. Même le coach voulait jouer, sauf que le coach après il avait des vertiges, nanani, nanana, bref. Bref, les gars, je vous dis que le match il aurait fini très mal si ça serait été joué. Parce que Lyon ils auraient joué avec la haine, comme les supporters lyonnais qui sont rentrés dans le stade, qui sont rentrés avec la haine, ce qui est normal. T'as cette idée débile de vouloir venger, nanani, nanana. Et ça se finit plus parce que t'as vengeance sur vengeance, nanani, nanana, c'est débile. Vous voulez quoi que l'OM engage une armée de mercenaires, c'est en dehors du stade. Mais frérot, tu peux pas dire c'est. Les gars, je suis désolé, c'est quand même la responsabilité.
de certaines personnes, ou de même j'en sais rien, frérot, que ce soit en dehors du stade ou pas, c'est frérot, c'est supporters marseillais tout court. On s'est vengé, c'est tout. Mais donc ça, pour toi. Bref, vas-y. Selon toi, tu cautionnes ce qui vient de se passer, ok. Gros, les Lyonnais ne voulaient pas jouer le match. John Sexter dit Nam comme d'hab. Mais bien sûr que si qu'ils voulaient jouer, frérot. Ça tourne de partout, même tout le monde dit qu'ils voulaient jouer. Même les joueurs lyonnais, ils voulaient jouer, gros mytho, Tixta. Mais tout le monde le dit qu'ils voulaient jouer, les gars. Après, même s'ils veulent pas jouer, frérot, même, bref, psychologiquement, c'est normal. Mais en tout cas, tout le monde dit qu'ils voulaient jouer. Bref, maintenant, ça, on pourra pas savoir, on n'est pas là. Ola, ça a réagi. Mais j'aimerais bien voir. Attendez, les gars, on va aller voir sur Twitter. Apparemment, Ola, ça a réagi. Ça, maintenant, je veux bien voir. Parce que Ola, voilà, il a plus rien à voir avec Lyon à l'heure actuelle. Mais c'est quand même sa famille. Je vais aller voir son tweet, les gars. Est-ce qu'il a mis un truc Il a mis un truc, les gars, Olas? Je suis sur le truc, c'est le dernier. Il y en a un qui. Non. Les gars, il y en a un qui peut m'identifier sur le truc qu'il a mis potentiellement? Je peux t'envoyer sur Snap. Tu peux pas m'identifier sur Twitter comme ça, je vais le montrer? C'est cher qu'il a fait ça. Vas-y, voilà. Lyon, c'est des sasas. Mais toi, alors, t'es quoi, frérot? Pff, c'est ton Snap à Corsico. Ouais, c'est Corsico. Ah, frérot, mon Snap. Textor a dit que notre capitaine a été incroyable, on sait pas pourquoi. Je sais pas, on peut pas savoir ce qui s'est passé niveau réaction quoi. Il pourra jamais savoir qui fait ça. Mais ça, dans tous les cas. Mais les gars, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, quand je vois qu'il y a des personnes encore qui sont présents maintenant dans les commentaires et qui cautionnent ça, mais vous êtes. Rien dire. Hein. Arnaud, je suis pour l'OM, tu le sais très bien. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord pour qu'ils vendent Payet, mais pas Kayassé, le staff et les joueurs. Eux, ils avaient rien à voir. Voilà que c'est des fils de pute, les supporters. Même pour le niveau de vengeance, pour moi, je suis pas d'accord. Bon, parce que c'est un délire de vengeance, les gars. Vous savez très bien que ça va jamais se finir. C'est ça, vous êtes, c'est débile. J'ai identifié sur TikTok. Merci, gros. On va aller voir ça. On va aller voir, les gars. J'attends que ça réactualise, là. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu l'identifiant. Je vous jure, moi, les gars, je suis dégoûté. Hein. Ouais, j'étais préparé pour l'Olympico et tout. Hein. Ça a rien à faire dans le foot, mais entièrement d'accord. Non, parce que le club de Noël a rien à voir comme c'était à l'extérieur. Je suis pas entièrement d'accord avec toi, moi. Je suis pas entièrement d'accord parce que le club est responsable de ses supporters. Oubliez jamais ça, les gars. Ça, c'est dans n'importe quel truc. Le club est responsable de ses supporters. Je suis d'accord avec avec le fait que communiquer de l'OM. Tu peux m'identifier, Momo aussi, je veux voir. Je suis d'accord avec le fait que c'est en dehors du stade et que du coup, ils ont une moins grosse responsabilité. Mais sur le lien, ils ont une responsabilité directe envers leurs supporters. Direct. Soyez intelligents. Ça reste une fête. Ce soir, la fête a été gâchée. Encore une fois, entièrement d'accord. Je pense qu'ils vont se venger pour Payet, mais faut faire pas ça quand même. Je suis marseillais. Mais à la limite, tu venges, mais intelligemment alors. Mais non, les gars, moi je parle en tant qu'autre que supporter lyonnais. Vous voulez venger l'histoire de Payet d'il y a 2 ans. Qui est encore, les gars, c'est parti loin pour. On va pas faire le mec, je ne cautionne pas du tout ce qui s'est fait. Mais c'était pas un truc très très grave non plus. Il y avait pas à faire ça, nanani nanana. Mais les gars, si on revient 5 ans ou 6 ans en arrière, vous vous souvenez ou pas? Maintenant, on va voir, on va faire parler le passé. Et je sais qu'il y en a qui vont s'en souvenir et il y en a qui vont pas s'en souvenir. À un moment, Lacazette marque sur penalty à Marseille, il y a 5-6 ans. Il va célébrer vers le banc de touche. On le voit à la vidéo, une bouteille qui passe juste devant lui. Si Lacazette il avait couru plus vite ou si il avait mieux tiré, la personne qui avait tiré ça, il y aurait encore eu une histoire de supporter, de jet de bouteille il y a 5 ans. Donc là, les gars, ah oui, c'est vrai, bah voilà. Les gars, là, on avait frôlé le drame il y a 5 ans. Il y a 2 ans, il y a eu ce drame à Lyon. Oui, mais ça ne l'a pas touché. Ah, mais du coup, c'est une raison. Donc, ça l'a pas touché, on oublie. Les gars, tu vois, même toi, Sanka, tu sais que j'ai raison dans ce que je dis. Mais pourtant, je cautionne pas. Je cautionne pas du tout, ça. Retour de Valbuena, le match. Vas-y, va la pote. Non, c'est grave. Mais bref, vengeance, tu l'as fait sur le terrain, pas à l'extérieur. C'est bête, mais réel, mais entièrement réel. À partir du moment, les gars, où il y a une attaque physique et grave, tu dois enlever ça, c'est plus du fou. C'est tout. Les faux supporters de Marseille et de Lyon. Oui, mais dans, oui, ça aurait pu le toucher et le venger. Mais bien sûr, il y a 5 ans, si Lacazette avait pris cette bouteille sur le visage lors de son but contre Marseille, 5-6 ans, je sais plus exactement l'année. Là, les gars, ça aurait fait parler et ça serait parti sévèrement en couille. Parce que les gars, tout le monde s'en rappelle de ce moment-là. Pourquoi ils ont pas joué le match? Le bus de Lyon, ils ont été caillassés. Blessure des joueurs, des entraîneurs. Bref, va voir sur TikTok au pire les infos. C'est grave, chaque Olympico ils vont essayer de se venger, c'est pas ce qu'on veut voir. Mais clairement, les gars, au bout d'un moment, vengeance sur vengeance, c'est plus possible. Au bout d'un moment, ça va être à huis clos, des classicos sans enjeu, parce que putain, les gars, franchement, on va pas se le cacher. Des insultes entre supporters, entre virages, entre la rivalité, ça, les gars, franchement, y a rien de plus beau quand même. Même si je cautionne pas, j'aime pas trop quand y a ce genre de choses. Mais les gars, quand y a les gars, cette. Cet aller-retour entre supporters et qu'il y a cette rivalité, ça, il n'y a pas de problème tant que ça reste sur le champ et oralement.
Mais les mecs là, putain frère, t'as vu les images? Mais bien sûr. Et je suis sûr que j'en ai encore des nouvelles que j'ai pas encore vues. De toute façon, on va aller voir sur Twitter, il y a des infos là, je vais aller voir. Du coup, ça va jamais s'arrêter si ça continue comme ça. Mais d'après certaines personnes, ça va jamais s'arrêter. Et comme vous le savez, les mecs. Ça, je sais pas, Dorian, j'ai pas vu ça, mon frère. C'est peut-être possible et c'est inacceptable non plus. Mais bref. Comme vous le savez, les mecs, il y a certaines personnes qui seront toujours autant débiles et qui adorent ça. C'est comme si tu reviens dans les embrouilles en France, quand il y a eu les émeutes. C'est toujours pareil. Les gens, ils aiment foutre la merde. Certaines personnes qui aiment casser et ils se servent de moindre chose et ça va. Les gars, faire baiser le truc de Marseille, clairement. Ça va endommager le club de Marseille. Putain, la vue. T'as vu, gros sang? Mais oui. Les gars, 3 cm l'entaille. Quand même, quand j'ai vu ça, c'est abusé. Ma daronne, elle est en PLS. Mais ceux qui sont là-bas, les familles, les darons, c'est. Si, va voir Twitter, il y a les photos qui tournent. Je vais aller voir d'abord moi, les gars. On m'a identifié. Il y a Momo qui m'a identifié sur un communiqué, les gars, de l'Olympique de Marseille. On va aller voir ce qu'ils ont été dit. Ce qui a été dit, pardon. Merci à Momo, hein, Momo Gaming qui m'a identifié dessus. Je peux le voir où? Et c'est sur le site officiel, non? Ouais, c'est sur le site officiel. Alors les gars, je vais lire, je vais pas montrer parce que je sais pas, les délires de droits d'auteur en ce moment, je me fais niquer pas mal de fois, donc je vais stopper. L'Olympique de Marseille déplore les incidents inadmissibles qui se sont déroulés ce soir aux environs du Stade Orange Vélodrome à l'encontre du quart de l'équipe professionnelle ainsi que des quarts des supporters de l'Olympique Lyonnais. C'est bien qu'il le mentionne ça aussi parce que les supporters ont pris tarif, les gars. Le club souhaite un prompt rétablissement au coach Fabio Grosso et condamne fermement ces comportements de violence qui n'ont aucunement leur place dans le monde du football et dans la société. Encore une fois, les gars, réaction normale de la part d'un club parce que le club en soi n'a rien à voir, mais ils sont responsables de ça. C'est triste. À cause d'une poignée d'inconscients, la fête prévue ce soir a été gâchée et a privé 65 000 supporters d'assister à un match de football. Le club se plie à la décision prise par la Ligue de football professionnel et se tient à sa disposition afin que se déroulent dans les meilleurs délais les conditions possibles au stade Vélodrome de la rencontre qui était prévue ce dimanche. Les gars! Je vais faire un sondage sur YouTube, les frères. Je vais le faire maintenant même. Selon vous, match à rejouer, oui ou non? Si c'est non, les gars, ça veut dire tapis vert pour Lyon. Je mets le sondage sur YouTube, je peux pas le faire sur TikTok, je suis désolé. Je mets le sondage sur le live YouTube, les frères. Selon vous, est-ce que le match sera rejoué? Moi, je pense et j'espère que oui. Mais les gars, il y a des faits qui peuvent faire en sorte que Lyon gagne sur tapis vert. Oui, c'est cool, on parle, mais les flics à côté n'ont pas aussi réagi. Frérot, sur la vidéo que j'ai vue, il y a 2 camionnettes de flics, une devant, une derrière. Contre des dizaines et des dizaines de personnes qui lancent, qui jettent des pétards, des blocs de cas, Bref, tu veux faire quoi? Même les gars, quand les flics se font caillasser comme ça, ils font quoi? Ils fuient. Là, c'est pareil. Tu veux faire quoi? Qu'ils s'arrêtent et qu'ils affrontent directement? Je sais pas, mais j'espère que non. Lyon mérite les 3 points. Je sais pas, moi, les gars, je sais pas. Mais en tout cas, les gars, ce niveau sondage, pour l'instant, c'est 50-50. Hein. Mais ouais les gars, c'est vraiment triste que tout généraliste tout comme ça, c'est 10 pélos qui ont fait ça, pas les 60 000 personnes. YNS frérot, je te jure, il y a des vidéos qui tournent, frérot, il n'y a pas que 10 pélos. Il y a des bonnes dizaines de personnes. Après oui, c'est pas non plus. Voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais voilà, t'as vu comment les Lyonnais sont racistes? Ça, je peux pas. Les gars, je suis pas au stade, moi, je sais pas ce qui se passe en dehors. Mais les frères, il y a certains trucs, les mecs, les Lyonnais, ils ont surtout mal réagi, je pense, les supporters. Mais frérot, quand tu te fais caillasse, tu crois. C'est encore une fois débile, hein. Et frère, les enfants, mais clairement. C'est encore une fois débile, mais quand tu te fais caillasse, quand tu te fais attaquer comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas fermer ta gueule, tu vas y aller? Non, ils vont rentrer dans le truc, c'est pas la solution, mais ils vont rentrer dans l'art, ils vont réagir. Ils ont mis des drapeaux français, ça, je sais même pas pourquoi, vraiment, mais bref. Une dédicace. Dédicace à toi, Timo, mon frérot, gros big up. Ouais, à Skip, tu as mal parlé de moi, ça m'a dit. Qu'est-ce qui. Je sais pas, moi. C'est. Attends. C'est Delta sur Snap ou pas? Si c'est Delta, tu remets en arrière, tu verras, j'ai pas mal parlé, j'ai expliqué les faits. Mais tu verras, au moins tu comprendras. La prochaine fois, c'est un mort, malheureusement. Mais c'est ce que j'ai dit, les gars, à un moment. J'en ai parlé avec un pote, j'ai dit, mais frérot, faut qu'il y ait quoi? Faut qu'il y ait un mort pour que ça réagisse à un moment? Faut qu'il y ait un mort pour que cette guerre, elle arrête, on va dire. Le ministre des Sports a annoncé sur l'after, match à rejouer, comme ça, c'est passé dans le stade. On ne sait pas pour les sanctions. Ok, donc les gars, normalement, match à rejouer, mais dans tous les cas, il y aura des sanctions. À mon avis, les gars, il y aura du huis clos, ça c'est clair. Il y aura du huis clos, les mecs. Non, Lyon ne mérite pas les 3 points. Il y a Adil Mari et François Le Texier. On dit match à huis clos. Oh oui, mais ça va être clair, match à huis clos, dans tous les cas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit lettre 6, ils font le déplacement pour ça. Non, Lyon. Ce n'est pas une bonne image pour les jeunes, clairement. Mais c'est le problème, c'est que l'image, c'est l'image que les jeunes vont avoir. Et du coup, ça va continuer comme ça. Le chambra. Salut, le chantage de. Toi, tu veux parler de la scène Mbappé, toi, t'es un ouf. Les Olympicos, ça va mal finir un jour, mais c'est clair. De toute façon, ça peut plus bien finir. Moi, je le vois mal, de toute façon, comme ça.
Tu joues à quoi si tu diffuses Ah, si j'ai... Reviens en arrière, frérot, je te jure, tu verras, tu comprendras. J'ai pas envie de me prendre la tête. Font peine les supporters marseillais. J'ai toujours kiffé les rivalités, mais il faut pas que ça sorte du foot et du sport. Mais c'est clairement ça. Je te jure, Delta, frérot, reviens en arrière. Reviens en arrière et tu me diras si c'est capté ou quoi. Je te jure, mon sang, reviens en arrière. Je vais pas réexpliquer de A à Z. Tu verras, écoute bien ce que j'ai dit. Et tu verras ce que j'ai montré, ce que j'ai dit. Tu verras. Si selon toi... Et bien sûr que non, on le voit pas, frérot. Tous. Bien sûr que non. Bref, les pauvres enfants qui ont vu ça, clair, c'est grave. C'est vraiment de la merde parce que c'est un petit groupe de merdeux qui salissent l'image de l'homme. Mais c'est grave ça, frérot. Bref, Delta, si tu vois et si t'avais entendu ce que j'ai dit, tu m'aurais même pas pris la tête comme ça, frérot. Bref, je suis Marseillais, c'est honteux de ce qui s'est passé, mais je vous aime les Lyonnais, triste scène. Ouais, c'est triste, même moi, les gars, je kiffe les Marseillais. Comme j'ai dit, les gars, par exemple, Delta, les gars, je l'ai dit au début, c'est un frérot Marseillais, les gars, et c'est pour ça que je l'ai dit, je veux pas mal parler de lui, nanani, j'ai pas accepté, j'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais les gars, je vais vous montrer, je vais vous dire, les gars, parce que j'ai pas montré les messages, les gars, je vous ai dit, je voulais vous lire ce qu'il m'a dit avant. C'est pour ça, ne comprends pas mal les choses, mon frère. Avec les crocs au match et qu'on va rejouer, mais j'espère aussi qu'on va gagner loyalement ce match. Quelle image la jeune française de nos jours du nord et du sud et pitoyable, c'est triste. L'image pour les JO aussi. Mais les gars, vous savez que niveau international, c'est catastrophe là. Hein. Arnaud, tu joues? Ouais, il y a moyen, on va se poser sur FIFA un peu après là. Bref, niveau international, les gars, on prend une sale image de la France encore une fois. Parce que les gars, ce qu'il y en a qui ne savent pas, c'est que c'est l'image de la France au fond. Mais attendez, je voulais voir le tweet d'Olas. Il n'y en a pas un qui veut m'identifier? Ah, attendez, on m'a dit. Alors. En faisant des nanani qu'on montre. Je peux pas montrer en live, frérot. Hein. Mais attends, je suis en train de voir. Ah, c'est un supporter lyonnais débile, frérot, là, qui. Pas ce qu'il montre. Mais bref, ça, c'est débile. Ce mec-là qui a été filmé, c'est. C'est un mec débile. Mais c'est bien que ça a été filmé. J'espère qu'il sera retrouvé. Moi, que je sois lyonnais. Hein. Un supporter lyonnais, les gars, qui fait des trucs racistes ou j'en sais rien envers les Marseillais. Il fait le singe. Ouais, non, j'ai vu. Ça, les gars, je condamne clairement, ça rien, c'est des mecs débiles. Mais encore une fois, les gars, dans les groupes des supporters, il y a des gens débiles. Dans n'importe quel groupe de supporters, les gars, en France. Et c'est triste. Pour les fans de foot, c'est triste qu'on soit Marseillais, Lyonnais, Parisien, on a tous la même passion. Mais c'est réel, frérot. C'est réel, les gars. On voulait tous voir un vrai match, un vrai Olympico. En plus, les gars, l'ambiance, c'est incroyable. Moi, les gars, je sais que quand c'est un Olympico à Marseille, tu sais que ça va être tendu, tu sais que ça va kiffer, tu vois. La vérité, il faut les 3 points, ça va calmer tout le monde. Mais je sais pas si c'est la vraie solution, frérot, je te cache pas. Parce que la vraie solution, c'est que les 3 points, on doit l'avoir sur le terrain, tu vois, au mérite. Et ça arrive dans tous les clubs, mais c'est réel. Pour moi, match gagné au Lyonnais, pas de débat. Il y a une possibilité à ça, mais pour moi, les gars, la meilleure des choses, ça serait qu'on le gagne nous-mêmes. Maintenant, voilà, force à Grosso et les débiles qui ont fait ça, j'espère qu'ils vont prendre cher. Mais en fait, le problème, merci GrecNS, merci Maxence d'ailleurs pour les roses. Les gars, le problème, c'est que est-ce que ces genres de personnes, sur le tweet de Olas, regarde, je t'ai encore identifié. Ah, merci. Le problème. Putain, j'ai oublié ce que je veux dire. Attends, je vais voir le tweet. Alors, Olas, il a dit: soutien total à Fabio et nos joueurs, tous derrière délégués LFP du match OMOL. Vous le diront, ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j'ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l'époque. Trop, c'est trop, les sanctions doivent être exemplaires. En soi, les gars, Olas, il est toujours un peu dans l'abus, mais la tête de homme qui a raison. C'est pour Lyon. Ouais, alors c'est grave, Lucas, ou quoi? Bref. Vous avez vu ce qu'il a dit, Olas? Il a dit, il y a déjà eu ça dans le passé. Je vous fais un résumé en gros. Il a dit, il y a déjà eu ça dans le passé. Il avait déjà fait des réclamations, mais il n'y a jamais rien eu parce qu'il n'y a jamais eu de blessé. Bah, les gars, il a raison. C'est dormi, il a raison. Voilà pourquoi le foot est une mauvaise image pour beaucoup de personnes. Mais il n'y a que ça au foot. Il n'y a que ça qu'au foot, les gars. C'est pas les supporters, c'est 15 gays qui ont fait les trous du cul, c'est tout. Ouais, mais c'est. Je sais, mais c'est partout pareil. Ils vont être connus comme des supporters et c'est l'image des supporters qui est pris à partie. Ça sera toujours pareil. C'est comme nous, les gars, il y a 2 ans, un supporter qui lance une bouteille. Nous, on dit, c'est pas un supporter. Mais voilà. Où est la police qui entoure le car? Mais ça, encore une fois, tu peux pas savoir comment ça se passe. Même la police, à mon avis, ils ont dû être pris pour cible, j'en sais rien. Mais bref, les gars, on va aller sur FUT un peu quand même. On va se poser un petit peu sur FUT. On va quand même beaucoup parler, beaucoup débattre quand même. Julien, ça vaut quoi? J'étais prêt. En plus, je sentais que Lyon avait fait un beau match de fou. Et ben non, des cons qui viennent gâcher le match. Putain, la France devient fou à des moments. Mais en vrai, quand tu regardes, les gars, quand tu regardes tous les bourbiers, tous les embrouilles qu'il y a à l'international. Et là, tu vois que Yal, c'est des embrouilles débiles pour un match, frérot. C'est terrifiant. Franchement, moi, ça me dégoûte. Mais voilà. T'as vu la photo de Grosso? Merci, frérot, pour les 10 pièces. Les supporters, c'est des mecs qui avaient les mêmes billets pour le match, frère. Mais oui, mais bref.
La photo de grosse saute dans les vaisseurs qui a fuité, c'est impossible que cette photo fuite. Tu peux m'identifier, Alan? Parce que j'en ai vu des photos, mais les gars, quand vous avez des infos, identifiez-moi. Comme ça, je suis sûr de voir la même chose que vous êtes en train de me dire. Bref, même Lille, Lens, ça se déborde pas comme ça. Ouais, mais après, les gars, Lyon-Marseille, ça, ou Marseille-Lyon, bref, ça a toujours. Y a toujours eu ce truc un peu en plus et que je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais genre, pour que ça parte aussi loin, je comprends pas, tu vois. Y a toujours ce truc en plus qui est complètement débile et que j'accepte pas, en fait. J'accepte pas. Bref, les gars, on va faire le pack hero quand même, tous ensemble, si jamais. On va quand même le faire, le pack hero, parce que je comptais le faire dans tous les cas, même s'il y a aucun joueur qui m'intéresse, je vais le faire. Bah, si, y a Ramirez et tout. Donc, pourquoi pas. Communiqué nouveau de l'OM. Encore un? Identifiez-moi, les gars, sur Twitter. Vous avez mon Twitter? Identifiez-moi, Max. Merci, merci frérot pour les cadeaux, YNS. On fire, mon frère, merci beaucoup. T'enchaînes, merci beaucoup, mon frère. Cumulable le pack. Il est cumulable? Ah, c'est pas bon ça. Eh, c'est pas bon ça, frérot. Arnaud, aujourd'hui, j'ai mon 86x3, j'ai eu Allain de la cadette Rashford. Wesh, t'as eu double centurion? T'es bien, toi. T'es bien. Bref, les gars, du coup, identifiez-moi. Dès qu'on a des infos, les balance sur le live. T'en penses quoi de la célébration d'Mbappé? Ben, ça, pareil, les gars. Mbappé, c'est un humain. Merci, YNS. Les gars, on va parler vite fait, on va faire la parenthèse Mbappé. Vite fait, je vais en parler. C'est quoi ton Twitter? Corsico tiré du bas L, normalement. Ah non, en fait, c'est le même, désolé. Ouais, c'est bon. Bref, on va en parler, les gars, vite fait de la parenthèse Mbappé, parce que je vois qu'il y en a plein qui veulent voir mon avis. Même si mon avis, les gars, j'ai rien, voilà, je suis personne pour donner mon avis, je le donne quand même. Mbappé, frérot, il a justifié son acte déjà de 1, qui est compréhensible encore plus. C'est vrai que les gars, il y avait une ambiance, les gars. Brest-Paris, la Ligue 2 vous attend. Mais ça, on s'en bat les couilles, frérot. Tu verras qu'on va pas tomber en Ligue 2. Bref. Je sais même pas pourquoi, dès que je lance un truc, je réponds à un commentaire de merde à chaque fois, frère. C'est une singerie. Bref, Arnaud, je t'ai identifié. Merci, gros. Bref, du coup, les gars, je vais y arriver. Merci pour l'identification. On va aller voir le communiqué de Marseille. Du coup, les mecs, il faut savoir que du coup, il y avait déjà une ambiance de fou. Et à savoir que les gars, les joueurs se faisaient insulter. Hakimi, je crois, si je comprends bien, il se faisait insulter de fou. Nananinana. Et frérot, quand t'es dans le feu de l'action du match, quand tes frères, tes coéquipiers, parce que Hakimi, c'est un frère Mbappé, se font insulter comme ça, frérot. Mbappé, frérot, il avait le démon, frère, c'est normal. Et au bout d'un moment, t'es un humain, les gars, n'importe quelle personne, frérot, a envie de faire taire des supporters quand t'as tout le monde qui te nargue. Et c'est normal, c'est la beauté du football, je trouve, moi. Donc moi, les gars, voilà, pour faire la parenthèse Mbappé, je comprends entièrement ce qu'il a fait, que ce soit capitaine de l'équipe de France ou pas. Ça reste un humain derrière tout ça. Et puis voilà. Vas-y, je retourne en arrière, il y a rien, c'est bon. Mais je sais pas, c'est un collègue à moi, il m'a dit Corsico. Mais tu vois, je t'ai dit, retourne en arrière avant que ce soit mal compris. Je t'ai dit. Les gens, ils aiment trop envenimer, frère, pour rien. Et c'est pour ça que moi, frérot, au moins, c'est bien, tu vois, c'est filmé si jamais. Genre, je m'en bats les couilles, j'assume tout ce que je dis, ce que je pense, je l'assume tout. Mais frérot, moi, tu vois, tu me dis, il y en a qui me cassent les couilles sur un truc, je fais, vas-y, retourne en arrière, va comprendre ce que j'ai dit, tu le comprends comme tu veux, moi, je m'en fous, je sais ce que j'ai dit, tu vois. J'ai identifié, frérot. Les gars, communiqué de Marseille, ça dit, l'Olympique de Marseille déplore les incidents inadmissibles qui se sont déroulés ce soir aux environs du stade Orange Vélodrome. À l'encontre du quart de l'équipe professionnelle ainsi que des quarts des supporters olympiques. Mais en fait, c'est la même chose, non? À cause d'une poignée. Mais c'est la même chose, le communiqué, les gars. Ils ont juste reformulé, non? Le club se publie ses décisions, ouais. À moins que, les gars, vous m'ayez identifié sur le même truc. Non, j'ai plusieurs identifications, là. On va aller voir. Actu foot, c'est quoi? La ministère des sports... Nanani, ces actes inadmissibles nient les valeurs même du football et du sport et leurs auteurs doivent tous être retrouvés et sévèrement sanctionnés. Ah, c'est pas fini, merde. 7 premiers suspects et ont d'ores et déjà été interpellés. Ouais, mais frérot, il n'y en avait pas que 7, tu vois, c'est ça le truc. J'apporte tout mon soutien à l'OL et à son entraîneur ainsi qu'à son adjoint Raphaël Longo, également touché au visage. J'ai une pensée pour l'immense majorité des supporters qui ne souhaitaient ce soir s'exprimer leur ferveur en tribune et pour... Qui l'a fait a été gâché de manière particulièrement injuste. Ces agissements marqués par la bêtise et la haine qui n'ont rien à voir avec le sport doivent être éradiqués avec la plus grande détermination par le collectif de tous les acteurs publics et privés qui aiment véritablement le sport et doivent s'unir. Bah, elle a tout dit, hein. Le ministère des Sports, elle a tout dit, hein. Les gars, c'est réel au bout d'un moment. Mais ça, c'est simple, à chaque fois, ça se dit que la même chose, en fait. On dit. C'est grave, les gars. Ouais, c'est bon, j'ai vu le communiqué, on a vu. Merci, les gars, bienvenue à ceux qui s'abonnent, d'ailleurs, j'ai pas dit. L'OM, le préfet de police Frédéric Cambert a confirmé les 7 interpellations. Ce sont des bouteilles de bière qui auraient été cassées le double vitrage du bus lyonnais, pas des pierres.
Ah frérot, il y en a qui sont sortis avec des pierres, de ce que j'ai entendu. Bon bref, j'ai l'impression que ce frérot, ça veut cacher certaines choses, ça va être bien drôle à mon avis. T'as remarqué que Renard, son playstyle, c'est un renard? Attends, non mais je vais voir parce que... Frère, c'est une singerie ça, je savais pas. Les gars, Renard, son playstyle, c'est un renard en fait. Peux le voir en mode... Ouais, en mode anticipation, c'est un renard, je savais pas, frère. Merci, YNS, c'est incroyable, merci mon gars. Mais c'est ça que je comprends pas, mais c'est débile! J'ai jamais été pour Lyon, moi je suis pour l'OM, et moi je croyais pas que t'étais pour Paris, car tout le monde est pour Paris. Ah, donc la majorité sont pour Paris, donc je vais être pour Paris. Et t'as un petit coup par rapport à la photo de Grosso? Non, j'ai pas vu Alan. Des bouteilles ont cassé la vitre. Ouais, je sais pas, merci YNS, love sur toi. Je sais pas, mais en tout cas les gars, c'est sûr que c'est des jets de bouteilles, il y a eu des jets de... Je sais pas comment on appelle ça, là, les pétards et tout ça, débonne-moi, j'ai rien fait. T'es pas bonne, Mads. T'es pas bonne, moi, Mads, frérot. Les gars, tu peux même t'écrire un message en privé. Mais écris-moi si jamais tu me diras de quoi t'es bonne et j'irai voir si t'es bonne, mais moi, j'étais pas bonne en tout cas. Yo le sang, je tiens à vous dire que c'est inacceptable. Merci Théo, merci mon frère, les gars, Théo, un vrai supporter marseillais, les gars qui étaient au stade d'ailleurs. Merci YNS, t'es on fire, frérot. Il a dit, les gars, yo le sang, je tiens avant tout à dire que c'est inadmissible ce qui s'est passé, mais la ligue illogique de pas jouer le match était donnée à Lyon, ils voulaient le reprendre. En fait, les joueurs voulaient reprendre, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'entraîneur, parce que l'entraîneur, frérot, même moi, hein, j'aurais voulu que ça reprenne et tout. Et de ce qu'on a compris, les joueurs voulaient reprendre. Mais déjà, par rapport aux règles de la LFP, c'est interdit de reprendre quand il y a un joueur qui est blessé ou un membre du staff, apparemment, de ce que l'arbitre a dit. Et... Attendez, on va faire l'équipe quand même. Et du coup, les gars, et apparemment, Grosso avait des vertiges et tout, et du coup, c'était pas possible. Et nous, il y avait plus de paillettes. Mais clairement, en plus. T'as raison, Lucas, pas besoin de t'excuser. Je t'envoie sur Insta. Sera... Ouais, sur Insta, les gars, je peux aussi, ouais, je peux aussi voir sur Insta si vous avez des infos à me balancer. Go, 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 go. Mais ouais, en tout cas, c'est terrible. On a fait la plus grande partie, les gars, on a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, on verra. Je vais essayer de tenir au courant, les mecs, vu que j'ai commencé à en parler. Je vais finir à en parler, c'est clair. Du coup, je vais essayer de vous tenir au courant sur ce que ça va se dire quand même. Si jamais on a d'autres infos tenues du live. Et puis voilà. Hein. Lis les derniers. Les quoi, Kenzo? Même pour te dire, j'étais à côté des gadgets qui ont caillasse. Ça les a frappés après par des vrais supporters. Mais c'est bien, franchement, c'est bien. T'as Insta, j'envoie la photo. Ouais, j'ai Insta, c'est Arnaud.Corsico. Mais déjà, rien que sur Insta, les gars. Tu vois, je peux... Alors, attends. Les gars, il y a Lovren qui a parlé. Il a dit, ce qui arrivait ce soir à notre bus et nous dans le bus était au-delà de toute mesure. Ces personnes sont venues avec la ferme intention de causer des blessures graves. Cela n'a plus rien à voir avec le football. Si la loi n'est pas modifiée un jour, il sera trop tard. Le gouvernement doit faire quelque chose. Je souhaite à tous les supporters lyonnais de rentrer chez eux sains et saufs. Il a dit ça, Lovren. Les gars, Lovren, les gars, c'est un père de famille, frère. Hein. Terrifiant, hein, qui dit ça. Hein. Les gars, ça choque, hein. Non, franchement, il y a des trucs, ça me choque, moi, perso. Y a un seul, vous a niqué, il y a un seul Olympique. Oh là là, mais toi, t'es débile, toi. C'est même pas une question de rivalité, là, frérot. On parle de question humaine, là, mon pote. Mais bref, vas-y, reste dans ta rivalité tout seul, frérot. Ah bah, la photo, c'est celle qui est sur ton dernier TikTok avec la casette derrière. Ah bah, voilà, ouais, du coup, ouais, j'ai vu. T'inquiète. Bon, les gars, on va quand même faire 16 BC, quand même, parce que c'est l'objectif, hein. Match à rejouer de sûr, mais huis clos, c'est déjà bête parce qu'il s'est rien passé dans le stade. Ouais, mais forcément, s'il n'y a pas huis clos, on va dire c'est un scandale. Tu vois ce que je veux dire, Théo? Mais c'est triste, hein? C'est triste qu'il y a huis clos, mais il y aura huis clos, c'est sûr. Parce que, de toute façon, la LFP savent que faire ça. Mais les gars, selon vous, c'est vrai que maintenant, c'est une question que je veux poser. Selon vous, c'est quoi la meilleure sanction à faire? Pas en termes de. Pour pénaliser un club ou quelque chose. Mais la sanction la plus juste. Qui doit être faite selon vous? Bonne soirée, Matox, merci d'être passé. Je pars dormir, j'ai une journée chargée aujourd'hui. Demain, tu veux dire, mais bonne soirée, Ilan, merci d'être passé. Bref, selon vous, tu l'as sur Twitch? Non, je suis en live sur YouTube, Nono. Mais je voulais live plus tard de base, les gars, on avait dit on live à la fin du match. Ah, frérot, on live plus tôt. Après, je compte pas live longtemps, tu vois, mais. Mais bref, selon vous, les gars, c'est quoi la sanction la plus juste? Bah, un huis clos et tapis vert serait abusé pour nous, les vrais supporters qui font rien. C'est réel, je suis d'accord avec toi. Allez, l'OM et l'OL, j'espère que ça va se calmer. Sur vous, les Lyonnais, c'est triste d'en arriver. Je suis entièrement d'accord. Merci d'ailleurs, YNS, hein, pour ce que t'as fait. Mais je suis entièrement d'accord. Amende des matchs à rejouer à huis clos. Une amende pour le club, selon toi, ok? Sanctionner les ultras qui cachent des hooligans
Pas les supporters lambda. Ouais, mais le problème, c'est comment tu trouves ces personnes qui. Ces hooligans, comme tu dis. Toi, c'est retirer des points à l'OM. Ouais, mais pour moi, le délire de retirer des points ou donner des points à Lyon, c'est pas la solution pour moi. Privé de stade pendant un an. Ouais, mais pour ça, faut trouver les personnes qui l'ont fait. Regarde les caméras et mettre en zonze les mecs qui ont fait ça. Ouais, mais il y aura des conséquences sur la Ligue 1. Enfin, en mode sur les clubs. Les supporters seront-ils remboursés pour leurs billets? Bah, je pense que oui. S'en bat les couilles, c'est les derniers. Ouais, mais Kenzo. Oh, les gars, vas-y, bannez-moi Kenzo, là. C'est un cassos, lui. Ça y est, frère. Ouais, il me termine, lui. Frérot, j'aime pas parler mal des gens, mais lui, il me saoule. Hein. Les gars, au bout d'un moment, on parle humainement, humainement, humainement. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. Lui, frère, il est borné sur le fait. On vous a niqué, vous êtes dernier. Ça y est, casse-toi de là, frérot. Casse-toi de là, frérot. Franchement, les gars, moi, ça me donne même pas envie de parler avec des gens comme ça. Tu conseilles l'USB-C Hero? Non. Mais en vrai, tu peux avoir du lourd, donc en vrai, vas-y, fais-le, il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste la mentalité de certains. Mais c'est réel, hein. C'est réel. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il y ait huis clos à Marseille, ce soit encore pire à l'extérieur du stade. C'est vrai que c'est aussi possible, les gars. C'est aussi possible que les supporters réagissent mal le fait qu'il y ait un huis clos. Mais dans tous les cas, les mecs, au bout d'un moment, faut être responsable, tu vois. Faut être responsable et tu fais quoi au bout d'un moment si t'es un enfant frérot tu n'acceptes pas les règles tu vois au bout d'un moment frérot tu fais plus rien tous les matchs de Ligue 1 ça va être à huis clos c'est entièrement d'accord avec toi Corsico vraiment après moi les gars j'essaye d'être juste tu vois je donne mon avis en étant juste certains seront d'accord d'autres seront pas d'accord c'est le but des débats mais frérot t'en as certains ils sont dans l'abus en tout cas il y aura une grosse sanction vis-à-vis du club plus amende et ceux qui ont fait ça vont prendre tarif car il y a des blessés ah mais ceux qui ont fait ça ils vont prendre très très cher les gars. Il y a 7 suspects qui ont été chopés. J'ai pas envie de mettre Karchaoui ma femme là dans le SBC moi. Non, je rigole. Mais bref, il y a des gens qui ont été comment on a interpellés. Du coup, je pense que ces personnes-là, je sais pas ce qui va faire en sorte que voilà, ils prouvent que c'est eux. Mais en tout cas, je suis supporter lyonnais. J'espère qu'ils vont remonter au classement. Viva Lyon. Les gars, Lyon ne meurt jamais. Moi, j'ai pas peur. Vous le dis, j'ai pas peur. On va remonter au classement. On va remonter. Et je pense que les mecs. Ce qui vient de se passer ce soir, ça va faire une réaction terrible aux côtés de Lyon. Ça va faire une réaction terrible parce que là, les mecs, vous allez dire ce que tu veux. Vous allez dire ce que vous voulez, pardon, les mecs. Mais là, les supporters lyonnais. Bon, vas-y, moi, je le banne. Hop, il m'a saoulé, lui. Allez. Casse-toi. Ah, c'est bon, il m'a saoulé. Hein. C'est grave, tu vois, les gens comme ça, les mecs, c'est le genre qui justifie les actes de ce soir. Terrible. Ouais, je crois aussi qu'on va remonter au classement. Moi, les gars, je vais vous expliquer du coup pourquoi on va remonter grâce à ce qui s'est passé ce soir. Parce que déjà, les gars, les joueurs lyonnais, ils avaient la haine, ils voulaient jouer ce match. Ça, tout le monde en est conscient, voilà, ça s'est passé. Bref, ils voulaient jouer ce match, dans tous les cas. Les gars, là, c'était une question, ils étaient soudés à mort. Là, vraiment, ils étaient soudés à mort, les mecs, tous les joueurs lyonnais, envers leur entraîneur, parce qu'il y a attaque physique sur les joueurs. Du coup, là, frérot, n'importe quel groupe de foot, frérot, tu deviens soudé, et crois-moi, mon gars. Ok, putain, on peut pas la mettre. Crois-moi, frérot, que là, frérot, ça va être une dinguerie. Vas-y, Keno, va téter ton lait. Mais c'est grave. Banne-le, ouais, j'ai ban. Après, ça pleure pour une bouteille de cristalline. Mais même ça, on cautionne pas. Il n'y avait pas à faire ça. C'est même pas à remettre sur la table, ça. Ça, c'est même pour moi, c'est du passé. Il n'y avait pas à faire ça. Pour moi, c'était limite oublié. Tu vois. Enfin, non, ça s'oublie pas, mais voilà. Mais tu fais quoi comme SBC? Je regarde tellement le chat que j'ai pas vu. Ça va au 32, tranquille. Je fais le SBC 0. Mais même moi, j'ai jamais mis autant de temps à faire SBC, genre. J'ai honte, j'ai la rage contre ces abrutis qui n'ont aucune éducation, insultés ou faites des doigts, ok, à la limite. C'est ce qu'on a dit, la rivalité orale, ok, mais quand ça revient au physique, même quand il y a des embrouilles et que ça revient aux mains, frérot, là c'est plus, stop, faut savoir doser, tu vois. Je l'ai fait aussi, mais nous, ils nous font honte, force aux blessés. C'est gentil, en tout cas, Théo, c'est bien, parce que Théo, des fois, tu vois, t'es borné et t'as du mal à accepter, et là, frérot, là, tu t'acceptes les choses et même toi, tu. T'assumes les choses, quand même. C'est officiel, Grosso a plus de points que l'OL. Ouais, bon, ça c'est réel, ça. Les gars, on va le prendre à la rigolade aussi. On va pas tout prendre au premier degré. C'est réel, frérot. Moi, je rigole à ta blague. À moitié, enfoiré. Ouais. Mais bref, je crois que c'est l'une des pires saisons de Lyon. Mais là, ça c'est clair, ça dans tous les cas. Salut, ça va, ça j'ai tranquille. En Espagne, le racisme. En France, ce qui s'est passé ce soir, comme dirait Mbappé, le football il a changé. En fait, les gars, c'est la rivalité du football, les gars. Ça part n'importe comment, c'est tout. On va pas se le cacher, hein. Ça devient n'importe quoi. Hein. Il y a trop de rivalité pour. Je vais pas dire pour rien parce que cette rivalité elle est puissante entre Lyon et Marseille. Mais la rivalité doit rester orale, doit rester sur le terrain, tu vois. Que ça parte un peu en couille sur le terrain, que y a cette rivalité, ok, tout le monde acceptera.
Mais reste, non, venez, on arrête de parler de ces faits, on leur donne du crédit, force aux blessés, force à l'OL. C'est réel, frère, c'est réel, c'est réel. C'est pour ça, les gars, je voulais pas que parler de ça et je voulais faire un SBC derrière, tu vois. Mais frérot, même moi, là, je suis trop dans le move, là. Et à chaque fois, je lis des trucs, ça parle de ça et ça va encore en parler dans tous les cas. Mais le pire, c'est qu'ils sont fiers. Je viens d'un live de l'OM. Mais ouais, on avait aussi des personnes qui étaient fières de le faire, mais ça, c'est des débiles et tu peux rien changer vis-à-vis de ça. Tu auras toujours des débiles. Et frérot, c'est comme ça. Tu peux pas changer les choses, tu peux pas changer certaines personnes, certaines mentalités des personnes qui vivent pour la casse. Et j'ai pas honte de le dire. Merci à John qui m'a invité, je vais te rejoindre, mon sang. Avec ce qui s'est passé, ils vont avoir la rage. Mais c'est ça, moi, c'est ce que je dis, les gars. C'est que Lyon, ils vont se relever en partie grâce à ce qui vient de se passer ce soir. Parce que là, les gars, il y aura une cohésion de groupe qui va se fixer, qu'il n'y a plus vraiment à Lyon depuis un moment. Grosse? Et non! Bref, il ne faut pas mettre tous les supporters. Mais ça, c'est ce que je dis aussi. C'est le premier truc que j'ai dit au début du live. Pas mettre tous les supporters dans le même stack, ce n'est pas du foot, cet hack est inadmissible. C'est réel. Les gars, c'est. Encore une fois, c'est. Même si via les vidéos qu'on a vues, il y a plusieurs personnes, mais ça reste une minorité qui ont fait ces actes. Ils avaient peur de jouer, de perdre, frérot. Imagine les coups qu'ils auraient pris. De quoi? Ceux qui sont fiers ne sont pas des Marseillais, j'ai honte vraiment. Mais ceux qui sont fiers, les gars, c'est même pas des personnes humaines, j'ai envie de te dire. Parce que frérot, tu mets ces personnes, tu mets leur daronne dans le bus. Juste ça, tu mets leur daronne. Ils réagissent comment, tu penses? Il va faire le mec. Je te nique ta mère. Ce que tu veux, mon frère. Ce que tu veux. C'est juste, ils sont débiles en fait. Pense qu'à leur gueule, j'ai pas honte de le dire. C'est ce genre de personnes qui pensent qu'à leur gueule, vraiment. Et je le dis matin, midi, soir. Les personnes qui réagissent comme ça, c'est clairement ça. Mais bref, encore une fois, les gars, on va essayer de fermer la parenthèse sur ces personnes, en tout cas, sur la situation de ce soir, on la fermera pas, ça c'est clair. Mais sur ces personnes, en tout cas, on va essayer de fermer la parenthèse. Yarno, désolé pour la défaite. Désolé pour la défaite? Quelle défaite? Même pas Llorente, il coûte 10K. Ouais, mais je veux bien, je veux pas le mettre. Mais après, il me sert à rien. Tu vois le bail? Ça va, Boudou, mon sang? Bonsoir à tous. Je suis le plus grand supporter marseillais. Ce qui s'est passé aujourd'hui est honteux. Marseille doit perdre le match pour l'exemple. Désolé pour Lyon, même si ça sera rejoué, je pense. Ça sera rejoué. Et pour moi, c'est bien que ce soit rejoué. Parce que ça doit se rejouer loyalement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent au tapis vert. Et que si maintenant il y a tapis vert, ça sera justifié. Dans tous les cas, ça sera justifié. Allez, mon frère. Mais oui, mais oui, mais oui. On passe à autre chose dans tous les cas. Mais ouais, comme dit les gars, dans tous les cas, ça sera justifié. Maintenant, on va voir comment l'avancée des choses et ce que ça va donner dans tous les cas. Bon, j'ai un petit paquero, il y a Zun qui m'a invité. On va aller ouvrir tout ça. Je vais commencer à rejoindre Zun d'abord. Que j'ai déjà rejoint. Mais on a notre petit paquero, j'espère avoir du lourd. Je compte pas en faire plusieurs parce que je connais le jeu. Et je sais qu'ils seront capables de faire des bons petits doublons. Je sais même plus qui j'avais eu. Ah, j'avais eu Soldier, les gars. J'avais eu le Soldier dans le premier. Pour changer Arnaud, tu vas faire l'évolution de l'URNT? Non, je pense pas mettre 150 000 pour un joueur que je veux pas jouer. Qui l'a fait, les gars? Tu as pas que Yaya Touré? Bah, j'espère, tu sais quoi, j'espère. Juste pour la soirée, parce que moi je suis dégoûté, frère. Je voulais me poser dans mon lit ou regarder avec ma famille tranquille le match. Frérot, je suis dégoûté de pas le voir. Donc j'espère juste pour ça. D'ailleurs, le frérot il l'a aussi fait, merci Zent. J'espère juste pour ça, les gars, que je veux pas qu'il y ait du lourd. Ça y est. C'est trop comment on a appris le foot au Barça. Ah ouais, mais ça c'est terrifiant. C'est terrifiant. Un joueur de Gérone, les gars, ils sont très forts d'ailleurs eux. Je suis pour l'OM, c'est inadmissible de voir ça. Entièrement d'accord et ouais. Bah. Non les gars, comme dit, on essaie de passer tout doucement à autre chose. Merci Louis pour l'abonnement, merci encore une fois à toi YNS, merci d'être là. Arnaud, moi je te donne ton avis, ces supporters sont honteux et bannissables de stade à vie, mais ces supporters ne doivent pas être impliqués dedans, il faut différencier le football et ses Gaulmont. Je suis entièrement d'accord avec toi, Matriro. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que ces supporters ont malheureusement un lien direct avec le club et automatiquement avec le football. Même si au fond, ce ne sont pas des supporters, ils se disent supporters parce qu'ils sont fiers de foutre la merde, en fait, tu vois. Tu vas pas qu'il y ait des Aubameyang. Mais en soi, je parle que des Marseillais, moi je m'en fous, j'ai rien contre Marseille en soi, les gars. Moi, franchement, les gars, j'ai un frère marseillais, tu vois, j'ai. Moi, les mecs, j'ai plein de potes marseillais. Tu vois, j'ai rien contre Marseille. Non, ce sera pas justifié. Le club et les joueurs n'ont rien à voir dans tout ça. Ils ont rien à voir, mais ils ont un lien. Tu vois? C'est ça que j'essaye de faire comprendre. C'est que malheureusement, ils ont rien à voir dans ça. Mais ils auront un lien. Et du coup, c'est automatiquement. Parce que ces supporters ont un lien direct avec le club. Bref, t'as dit quoi, Théo? Et wesh ma biche, c'est le bug YouTube, c'est réglé. Ça va l'immigré, tranquille, mon frère? Comment il va, mon frérot? Ça fait plaisir que tu passes. Et non, c'est pas réglé, je vais bouger sur Twitch, frère. Ça y est, ça saoule les bugs YouTube, je te jure.
Comme tout le monde. Hein. Attends, Théo, il a dit quoi? Je t'avais pas vu, excuse-moi, frérot. Les 10 débiles ont puni 60 000 personnes et la France 90 minutes de plaisir de football. Mais c'est réel. En plus, ça serait été un putain de match. Allez, les gars, on ouvre le pack héros. Il y a sur mon compte aussi. Un petit Yaya Touré, je dirais pas non. Mais ça, ça pue. Hein. Ça, c'est Donovan, frérot. Non, nanana. Je suis refait, pourquoi? C'est Donovan, non? Ou sinon, il y en a encore un plus nul. Ouais, Donovan. C'est qui l'autre plus nul qu'il y a là? Toujours pas. T'as zéro bug là en plus. Ah, tu parlais des bugs de co? Non, ça date. C'est bon, c'est réglé, ouais. Non, je parle en fait, c'est en mode trop de droits d'auteur, trop de ci, trop de ça. Tu vois, même Mika, il a bougé. Hein, et même lui, il me dit tous les jours d'aller sur Twitch. Et c'est normal, il faudrait qu'on y aille. Mais c'est juste, voilà, c'est trop tôt encore. Enfin, je vais y aller, dans tous les cas, j'irai. Mais voilà. Et ouais, attends. J'ai pas. Toi, comment ça se passe? Après, toi, t'as. Comment on dit ça? T'as un truc généraliste. En mode. T'as plus de, sûrement plus de droits d'auteur. Tu vois, moi, je mets tout le temps des sons de fond. Un son, ça va aller. Un son que t'as utilisé l'année dernière, maintenant il va devenir droit d'auteur. C'est ça, j'en peux plus. Le Playmaker. Non, normal. Ils ont leur logo sur le bus. On va où là? Non, ce matin, les lives, ils se buguaient à mort à cause de YouTube. Mais ouais, mais c'est réel, les gars. En fait, YouTube, c'est clairement. Merci, Zenta, pour tes packs. On va aller ouvrir le mien. C'est clairement. Je vais te le dire, hein, même toi, je pense que YouTube, des gros bugs aujourd'hui. Tous les lives YouTube buguaient à la mort. Ouais, mais en général, hein. C'est YouTube, ça devient plus trop une plateforme pour stream. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Du coup, voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir que tu passes, Yanis Ruro. Ça fait plaisir que tu passes, mon frère. T'en as pensé quoi, toi, ce soir? En un truc. Un club, c'est une famille qui joue au foot. Une famille ordinaire, c'est comme si toi, tu faisais une connerie. Imagine que tu envahis le stade. Si tu as moins de 18 ans, c'est tes parents qui payent l'amende. Bah, c'est réel, en fait, c'est ça. C'est des supporters, même si c'est pas des supporters. Ça pourrisse l'image du club. Oui, je comprends ça, mais perdre 3 points pour des kékés, c'est sûr qu'il reste en Ligue 1, sinon plus de classico. Mais moi, pour moi, les gars, ils vont pas perdre 3 points à Marseille. Pour moi, les gars, il n'y aura pas de tapis vert. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. Les gars, c'est déjà arrivé que des clubs prennent des bus banalisés pour éviter ce style d'incident. Mais c'est ce qu'ils ont pris, Lyon. Hein. C'est ce qu'ils ont pris, mais le problème, c'est que bah, ça a été cramé quand même. Quoi. Et puis voilà. Franchement, j'ai pas d'outils suivi, mais juste honteux. Faut pas généraliser, les Marseillais ont rien à voir, c'est des trous du cul qui font ça, mais ça c'est toujours. Ça, je le dis toujours, les gars, ça a rien à voir avec la générale. Bref, la globalité des supporters marseillais. Frérot, tu veux pas me donner un buteur un jour là? Je sais pas, donne-moi Londres, frère. Ça va ou quoi? Rise, c'est comment? Comment ça, Rise? C'est qui Rise? OL en Ligue 2. Ouais, mais bah, on en reparlera fin d'année, frérot. Ouais, les gars, même moi, les gars, j'en rigole. Lyon en Ligue 2, on fait une très mauvaise saison et ça, on l'assume pleinement. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Ça arrive pour la majorité des clubs de faire des saisons de merde et nous, ça fait des années, faut qu'on se relève. Mais vous allez voir, les mecs, qu'on va pas tomber. Vous allez voir, le lion ne meurt jamais. On doit s'unir entre supporters. Mais c'est ça, les gars. Des supporters, les gars, on doit s'unir. Bref, au moins, Lyon aura une victoire. Mais on va pas gagner sur tapis vert, les frères, hein, je vous le dis. Hein. J'ai eu Dempsey. Ah, c'est Dempsey. C'est Dempsey, Donovan. Voilà, c'est celui-là, le deuxième que j'ai eu. Bah, Snap, regarde mes deux Pakiro, tu vas pas me croire. Vas-y, je vais te voir. Frérot, je suis sûr, t'as. Je suis sûr, frérot. Attends, c'est quoi? C'est quoi? Tu m'envoyais sur quoi, frérot? Bah, Snap. J'ai pas envie de faire le mec, mais j'ai pas mal de Snap. Du coup, je suis en train. En plus, entre ceux qui ont réagi au story. Arnaud, la limite, jeter des œufs sur le bus. Mais là, j'ai honte. Ouais, la limite, c'est bon, c'est bonne guerre, tu vois. Jeter des œufs, vas-y, tu vois, en mode vas-y, ok. Là, je trouve que c'est de bonne guerre. Ça fait partie de la rivalité, tu vois. Mais le reste, il y a des bugs des lives YouTube, non? Ouais, il y a beaucoup de bugs de live en ce moment. On doit s'unir autour d'une même passion, c'est tout. Mais c'est entièrement d'accord. Tu penses qu'il va y avoir quoi comme sanction? Parce que là, c'est très grave, là. Même par cas, j'ai entendu qu'il y avait des dingueries. Ouais, ouais, même entre de la part des supporters lyonnais, hein. Des trucs racistes et tout, je sais pas quoi. Après, les supporters lyonnais ont très mal réagi. Je pense qu'ils ont très mal pris ce qui s'est passé. Mais ça cautionne pas et ça justifie pas leur acte. Mais c'est sûr que ça allait partir en couille, hein. Dans tous les cas. Et moi, ce que je vois, moi, je vois huis clos. Sanction, peut-être amende pour Marseille. Et match à rejouer à huis clos, du coup. Je pense pas un truc très grave, mais je vois mal un tapis vert, tu vois, vu que ça s'est pas passé au stade. Bon, j'ai la haine, je sais, avec les gars. Mais les supporters qui ont fait ça, ils étaient pas dans le stade, donc les propriétaires de l'OM sont pas responsables, c'est aux flics d'être là. Oui, ok, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'ils ont un lien avec le club de Marseille. En gros, comment on dit ça? Je vais ouvrir le pack, les gars, j'ai attouré, j'espère l'avoir, moi. En gros, comment dire ça? Il donne l'image de Marseille en faisant ça. Ouais, je pense à rejouer à huis clos aussi. Ouais, mais je pense que ça va être ça. Après, on verra, hein. Les gars, la Ligue, ils sont pleins de surprises. Hein. Allez, les frérots, j'ouvre le pack, bébé. Allez, c'est parti. Régale-moi. Ça pue. Ça pue. À moins que c'est Cole. Non, Cole, il est AD, je crois. Oh non, c'est l'autre, là.
Ah ouais, Mark Manon. Eh merde. Merde. Bah si, je la mords. Mais non, je vais pas le jouer, le quiz. Je vais pas le jouer, les mecs. Ah ouais. Bon bah, deux Paquero, deux lose, hein. Après, il peut aller où? Il peut aller MOC. En vrai, il peut aller un peu partout. Mais clairement, des stats pas au fol, hein, clairement. Mon snap, c'est... C'est toi qui, du coup, qui... Alors attends. M'cho... Choconnais. Choconnais. Alors attends. Mais en nom! En nom, frérot! Et frérot, mais. Tu sais quoi, renvoie-moi un message direct là! Regarde, frère. Pour les mecs, hein, mais. Ça... Bref, vas-y, mon... ma caméra l'a pas envie. Alors attends, ouais, je sais pas. Ah, puis je vais me coucher, désolé. Vas-y, bonne nuit, mon frère! Bonne nuit, bonne nuit, maman. Moi, je pense pénalité environ 10 points pour l'OM en vrai, à moins de bien charger. Non, 10 points, t'abuses, frère. Non, non. Même si, les gars, on va pas se le cacher, je pense que en termes de gravité des événements, c'est la chose la plus. Peut-être je me trompe et dites-moi si je me trompe tout de suite. Mais pour moi, c'est les. Bref, c'est l'événement le plus grave d'avant-match qu'il y a eu jusqu'à présent. C'est quoi tapis vert? Tapis vert, en gros, c'est match. Match 3-0 pour Lyon, en gros. MC, c'est win, pas du tout. J'ai pas que Brisley en héros, c'est pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Fallait. Pas Van Jäger, les gars, rien dit, il a juste donné son point de vue. Ouais, les gars, bannez pas. Hein. Bêtement. Attendez. Il a sali son image de. Ça, je peux même pas déban. Bon, après, c'est que 23-5 minutes. Est-ce que je peux faire un deuxième? Est-ce que je peux faire un deuxième ou pas? Parce que j'ai des joueurs. Les gars, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un deuxième? On sait très bien que non. Mais on sait très bien que je me connais et que je vais sûrement refaire. Parce que j'aime pas finir sur une lose. Moi, j'aimerais bien Yaya Touré, t'as vu? Match tapis vert, c'est comme si tu rage quittes sur FIFA. Ouais, et encore quand tu rage quittes à 0-0, crois-moi que t'as pas la win. Donc voilà, Arnaud, on aurait quand même gagné. Franchement, je sais pas avec les gens. Hein. Je te jure qu'on aurait joué, nous on aurait eu le démon. Tu vois, toi-même tu sais. Nous, on aurait eu le démon, frérot, ça serait été un beau match. Peut-être un peu trop loin. Donc, toi aussi, bientôt Twitch, ouais. Les week-ends vont rester sur YouTube pour l'instant. Mais Twitch va bientôt arriver. Et tout le monde le sait. On en parle depuis un petit moment. Et c'est pour ça que. Vas-y, les gars, l'URNT, je le mets, rien à foutre. Ça y est, ça m'en fout. De toute façon, je veux pas l'évoluer. Voilà, vous pensez ce que vous voulez, les gars. Moi, je mets l'URNT, basta la cousa. C'est comme ça. Merde. Voilà, tant pis. T'es un pigeon ou pas, Arnaud? Alors, fais-le. Mais bien sûr qu'on est des pigeons, on va le faire. Perso, je suis Lillois, le derby de Lens, y a rien de méchant, même si l'année dernière c'était la merde. Surtout, ils se taquinent, mais là c'est de la violence. Mais c'est ce que je disais, les gars. C'est n'importe quel derby, n'importe quel match où il y a de la rivalité. Même par exemple des Lyon-Paris, c'est rivalité. Même des Marseille-Paris, les gars, y a pas eu autant de haine. Franchement. Alors que Marseille-Paris, c'est encore plus chaud que normalement qu'un Lyon-Paris. Mais voilà. Après, les gars, je dis ce que je pense. Selon moi, les gars. Et je souhaite pas du tout ça à Paris, hein, si ça doit arriver, hein, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais les gars, si je dis pas de bêtises, il y a pas eu autant d'haine pour un Marseille-Paris. Et dites-moi encore une fois si je me trompe. Mais... Bon, valide. Allez, je fais un deuxième, tant pis. Wesh, ma gadji, elle parle trop. Je veux lui dire, il y a le Corsico qui est en live, laisse-moi. Ça. Oh, dis-lui le terme, frère, ça y est. Fous la haine. Oh là là, le DG américain, yes. Ouais, non, pas fou, hein. C'est assez grave quand même, il aurait pu tuer l'entraîneur. Mais c'est ça, c'est que les gars, c'est ce qu'on dit en fait. C'est. Wesh, même Baltimore, elle éclate à mort. Ouais, mais même Baltimore. Ouais, je mets Baltimore, ça elle m'a saoulé aussi. Ça y est, je la mets. Elle est trop forte en sum, mais je la joue pas en sum, moi. Ça y est, j'ai assez de super sum. Match retour, on attend, c'est Marseillais. Ouais, mais les gars, faut pas que ça reparte en steak, tu vois. C'est qu'à un moment, faut que ça stoppe. J'ai Capdevila, c'est bien. Ouais, c'est. Bah oui, c'est très bien. Après, c'est bien pour le début du jeu. Ouais, donc c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est que c'est bien pour le début du jeu. Donc on verra ce que ça va donner, mais ouais, en sub, tu, McManam. Alors. Est-ce qu'on met Baltimore là, cette fois? Ouais, là, mais, ça y est. On la met. Je vais mettre 2-3-83. Des 83, j'en ai à balle, hein. C'est rip, ça. Zéro par rapport à la cérémonie de Ballon d'Or, c'est demain. C'est demain la cérémonie? Je vais me poser sur le live de Yanis et puis. Et puis je verrai. Moi, ça va être ça en mode viewer de l'ombre. Faire le taf qu'il faudra faire. Et puis voilà. Même lui, c'est. Alors, Nkunku, les gars, bah, c'est un invendable donc ça va bouger. J'ai plus trop de grosses notes. Hein. Je suis vraiment à poil. Les gars, faut que je mette Karchaoui ou pas?
Est-ce que je mets ma chérie Coco? Faut pas blaguer. On va déjà la placer. Wilson le lion, je vais le mettre, je pense. Je vais pas mettre mes zéros parce que vas-y les gars, fierté quand même d'en avoir, hein, tu connais. Il y a John qui m'a réinvité, les mecs. Haaland, c'est Messi qui gagne, il mérite pas. Mais ça, on est tous d'accord sur le fait qu'il mérite pas. Mais les gars, c'est Coupe du Monde volée, Ballon d'Or volée. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait-là. Maintenant, on est qui pour dire ouais, nanani, on est personne encore une fois et notre avis ne va rien changer. Du coup, voilà, c'est cool. Alors, attends, Baltimore. Merde. Mais les gars, je vais mettre Wilson le lion là déjà. J'ai pas un 84, si. 84, voilà, je sauve l'URNT encore une fois. Et vas-y, je valide les gars, ça m'a fané frérot, ça y est. Mais pas Karchaoui, je préfère mettre Wilson. Arnaud, t'as vu mes paqueros du coup? Non, j'ai pas vu. Je vois pas. Ah, c'est une vidéo, fallait me dire. Alors le premier, t'as eu Ramirez, enfoiré. Et le deuxième, Marquisio. T'es un enfoiré en fait. Sale chien. Non, GG frère, mais t'es bien. En tout cas, merci aux supporters qui ont détruit le bus, qui ont attaqué les pauvres entraîneurs qui viennent débuter saison catastrophe. Mais c'est ce que je disais en plus, les gars, c'est que la raison. Arnaud, t'as eu mes. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est. La raison, les gars, c'est d'attaquer. Vous avez peur? En fait, ils ont eu peur de jouer les derniers ou quoi? Enfin, j'en sais rien, mais. T'abuses carrément, MDR, y a rien de vol. Si c'est Messi ou Haaland, c'est aucun vol. Moi, pour moi, Messi, frérot. Ouais, non, c'est moins vol, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'abuse. Mais. Ça doit pas être Messi quand même. Si, mais parce qu'il a gagné la boule du. Si, par rapport à la Coupe du Monde, vu que ça a été volé. Ça, voilà. Mais sinon. C'est vrai que c'est sur l'année dernière, les gars. C'est vrai qu'il faut pas que. Karcha, oui. Désolé pour le flow. Ouais, excuse-moi. Bon, on va vite rejoindre, les gars, mon frérot. T'en as refait un deuxième comme moi? Messi, c'est. Ouais, il y en a plein qui pensent ça. Pour moi, ça doit pas être Messi. Pour moi, ça doit être Haaland. Mais le problème, c'est que Haaland n'a pas gagné de Coupe du Monde. Mais comme la Coupe du Monde, pour moi, c'est un vol, vu que. Que déjà, voilà, il y a des délires de dopage. Bref, on va pas rentrer dans une parenthèse de nouveau. Voilà, c'est mon avis. Non, honnêtement, sa place en tant que perdant de la Coupe du Monde, Messi emmène l'Argentine sur le toit du monde. C'est réel. De ce point de vue-là, c'est réel. Vini a gagné. Non, non. Mathieu, ça vaut quoi? Mais de toute façon, les gars, c'est Messi qui l'a gagné. Hein. Ça a déjà été avancé. Haaland mérite 100 fois plus. Il a pratiquement tout gagné. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai mon trou. Ouais, les gars, invitez-moi pour vos héros si vous voulez. Ouais. Chaud, chaud, chaud de fou. Moi, de toute façon, j'en ai fait deux, les gars. C'est bien Govou, ouais, c'est très bien. Moi, j'en ai fait deux. Je sais qui je vais avoir. Oh, c'est blanc, non? Soit c'est boost. Soit c'est. Comme de boule. Heureusement qu'ils sont là pour le casser les boules, hein. Ça, c'est comme de boule, les gars. C'est bien Kewel. Kewel, c'est bien, ouais. J'ai mon. Haaland ou tout simplement l'homme de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aurait pu faire partie de ça si. Il avait gagné cette Coupe du Monde. Malheureusement, toi-même tu sais. Toi-même tu sais, frérot. Tu vois, c'est toujours ça le blème un peu, hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Paquero 87, encore une fois. Oh non, c'est claqué, c'est Most Away, je crois, les gars. Non. Oh là 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 là, mais prions. Prions, s'il vous plaît. Yo, nous sommes. C'est bon. Ah là là, lis mon mess. J'ai pas lu Ryan. Bon, allez, on va ouvrir mon pack là. Ça y est, j'ai envie d'ouvrir mon pack. La dalle de pack là. On va changer. Ryan, t'as dit quoi? Mais Ryan, tu as tout le temps monté 3-0. Haaland a gagné une compète qu'il y a tous les ans. Messi a gagné une compète qu'il y a tous les 4 ans. Étant meilleur passeur, un meilleur joueur de la. C'est réel aussi si tu prends ce point de vue là. Du marché alors que j'ai rien fait. Mais les gars, des fois t'es ban du marché alors que. Bah, t'as rien fait, tu vois. Mais c'est triste. Hein. Bon, les mecs! On se met en ambiance Paquero quoi. Est-ce qu'on se met en ambiance Paquero là? Juste faire un test. Je fais juste un test l'équipe. Ça bug. Oh ça marche. C'est bon. Ça marche, ça marche. Ok. Ah, c'était mon petit test. C'était mon petit test les gars. On va l'ouvrir. On va aller voir ce que ça va donner. Ça fait pas mal parler la situation quand même. Hein. C'est effrayant. Bref, et mon message sur le fraude. C'est sûr qu'il fait allusion aux Arabes. Enfin, Zemmour quoi. Bah, son tweet, c'est clairement ça. C'est triste. Hein. Moi, je trouve son tweet, il a pas à le dire comme ça. À la limite, qu'il. Ouais, bah après, les gars, il.
soutient ça, donc c'est logique qu'il le balance. Peut-être commenter des supporters lyonnais pour certains. Ouais, mais ça, c'est débile, hein. Attendez, les gars, avant que j'ouvre ça, faut qu'on parle de ça. C'est débile. Qu'il y en a qui pensent que ce soit des supporters lyonnais qui ont attaqué leur bus. Ah, vous êtes des fous. Bref, allez. Paquero, 87 max, s'il te plaît. Une win. Oh, allez. Ah, MG. Y'a qui MG? Y'a qui MG? Ouais. Bon, 3 Paquero, 3 lose, hein. Enfin, les gars, je peux en refaire un troisième. Je peux en refaire un troisième, les mecs. Oh, c'est terrifiant, je suis terrifiant, non? Slay, ça vaut combien? Non, mais là, c'est de la merde, ce jeu, carrément. Donovan de chez Wish. Dans le premier, j'ai KOL. Mais même toi, en 1, t'en as eu mieux que moi et mes 3. Héros, j'ai eu... Attends, je vais te montrer. Vous allez rigoler. Non, mais les gars, vous savez quoi? On va faire une... Sur notre équipe, on va faire un plaçage réserviste. Ça va être très drôle. Je vais juste mettre moins fort, du coup, le... En plus, la musique, là, elle me chauffait, frérot, là. J'étais dans le mood. J'étais dans le mood, frère, ça y est. Bref. Ah ouais, mais du coup, mon équipe, c'est vrai que ça change de fou. Hein. J'ai même plus de place pour tout le monde. Faut que je dégage ma Shadow et Kudus, genre. Oh non, c'est terrifiant. Bref, je voulais mettre mes 3 autres fraudes, là. Bon, je vais déplacer personne, ouais. Ça y est. Bon, allez, on en fait un troisième, les gars. J'ai envie d'en faire, c'est bon. Saoulé, ça va me faire passer la soirée un peu. J'ai risé Smolarek. Non, mais c'est terrible, les gars. Le pire, c'est que moi, je suis le plus gros pigeon du jeu. Hein. Je vous le dis. Hein. Et vous le savez. Hein. Ah, il y a des packs, frérot. Je suis un packer. Moi, je fais les packs. Hein. On peut que le faire deux fois. Tant mieux. C'est quoi, tant mieux? Allez. Ça va, le patcho, tranquille. Moi, je pense vraiment que les Lyonnais seraient capables de faire ça. Mais les gars, vous êtes débiles. Non, sérieusement. Les frères, non, sérieusement. Pensez ce que vous voulez, mais qu'il y en a qui pensent que ce soit des supporters lyonnais qui ont fait un coup monté pour attaquer leur propre joueur, ça va loin quand même là. Il est cumulable pas que deux fois visiblement. J'ajoute pas PSN comme si tu veux m'inviter, t'as juste à m'inviter en partie vocale et c'est bon. Que deux fois, ouais. Bah, c'est bien hein, frérot, j'aurais ruiné mon club. Par contre, les Marseillais, faut pas retourner la situation, par contre, abusez pas. Non, ouais, ceux qui disent ça, c'est trop. Vous partez trop loin, les gars. Sachant que c'était entouré de Marseillais, donc tu penses que ça serait pas été cramé? Ouais, non mais bref, c'est même pas une situation à imaginer en fait. Y'a moyen tu refais une draft sur Fin 2? C'est quoi, y'a moyen en plus hein. Y'a vraiment moyen. Mais je fais un tour sur mon compte secondaire d'abord. Les gars, vous savez quoi, j'ai envie de faire une carrière avec Lyon. Je rigole. Un poquito hein. Gagne des objectifs. Oh, c'est bien ça. Allez, balance des packs là sur le compte secondaire. Je suis à poil. C'est vrai que... Les gars, vous savez quoi? Je vais essayer d'améliorer mon compte secondaire un peu. Les gens pensent... Ce que les gens pensent, c'est vraiment bête. Ouais, des fois, ouais. Faut le dire, c'est terrible de penser ça, en fait. Moi, je trouve que c'est très grave de penser ça. Rien que d'imaginer ça, c'est grave. Rien que d'imaginer ça, mais... Non, mais les gars, réfléchissez. C'est con, faudrait pas prendre le risque de placer leur propre joueur. Non, non mais même, t'es autour des Marseillais, tu crois que tu te fais pas cramer, frérot? Ils se connaissent tous entre Marseillais, hein, frérot. Non, mais bref, c'est même pas à imaginer. Merci beaucoup, Zent la famille, pour le soutien. Merci pour les 1 euro. Merci, mon frérot. T'es un amour. Avec un grand A. Merci, mon frère. Merci beaucoup. J'avais pas deux packs en boutique avant qui s'étaient affichés? C'est terrible, on se fait niquer. Alors, oh, donne-moi un bon truc, merci pour l'abonnement. Ah, ça pue. Ah, qui pue, il pue. En fait, c'était un homme commence une carrière avec synthé. Ouais, de ouf. Mais frérot, si on tombe de Ligue 2, j'y peux rien. Ah, les personnes qui disent que c'est Lyonnais qui ont attaqué leur vie, c'est des imbéciles. Ah, mais de penser ça, c'est imbécile. Ça. L'Ajax, depuis le départ de Ten Hag, c'était pas des ouf, mais depuis le départ de Tadic, c'est la catastrophe. Ouais, c'est vrai que l'Ajax, les gars, c'est chaud aussi. Hein. Il faut une Lyon, les gars. Ils sont en train de faire une Lyon, eux aussi. Hein. Est-ce que je peux faire un Paquero sur le compte secondaire? Moi, je pense pas, mais j'aimerais bien faire. Le compte secondaire, j'ai quoi? J'ai 12 000. J'ai pas grand chose. Hein. Là, c'est quoi? Un pack joueur avec 30 prime. Je vais voir si je peux faire 2-3 trucs là. Jour de Glomé 5. Ça, c'est bidon en fait. Faut juste du collectif, je crois. Rare. Attendez, je vais remettre du son. Ah bon. Une honte, ce n'est pas nos supporters, juste des gosses mal éduqués. Quel dommage, c'est réel. Mais on a tous notre même avis dessus. Hein. Mais vraiment, genre pour toi, il méritait quoi comme sanction? Pour moi, la sanction juste... Ok, non, non. Ouais. Bref, les gars, pour moi, la sanction juste, c'est...
pas mérité, mais une amende. C'est triste, hein, mais c'est pas mérité. Mais c'est la sanction qu'il y aura. Et huis clos et match à refaire. Mais en fait, la réalité des sanctions, c'est de choper ces personnes et qu'ils prennent cher. Mais vraiment qu'ils prennent cher. Mais genre, pas juste un an de prison et genre vraiment une dette bien chère. Qu'ils prennent vraiment tarif au bout d'un moment, tu vois. Les gens comme ça, au bout d'un moment, c'est plus possible. Les gens qui aiment casser, qui aiment détruire l'image de la France. Parce qu'au bout d'un moment, c'est l'image de la France, les gars. À l'international, on passe pour des tocards. Hein. Match perdu et match à huis clos. C'est possible qu'il y a ça aussi, mais je sais pas si c'est vraiment juste. Parce qu'en soi, les gars, on méritait de faire ce match. Soit nous et Marseille. Mais bref, pour moi, les gars, c'est, on a vraiment une image de tocard en termes de l'international. Hein. Est-ce que tu vois ça en Angleterre? Question banale, réponse simple, non. Non. Il y aura pas de victoire sur tapis vert car c'est pas... Oui, ça aussi, je pense. C'est ce que je disais, c'est, je pense pas qu'il y aura ça. Après, c'est une possibilité, mais je pense pas. Après, ça devient banal. Mais c'est ça le problème, Angelo, c'est que ça devient banal. C'est grave, c'est gravissime, les gars, de penser ça. Que c'est ba... Enfin, c'est logique, mais... Ça devient normal, en fait, ce genre de situation. Vraiment. Mais bon, la vida loca, les mecs, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Quoi, c'est... Il est quoi, en fait, lui, les gars? Il est États-Unis? Non, il est Croatie, ok. On va partir sur de la... Je sais pas si c'est bien ce que je fais, là. Et je le fais, en tout cas. En fonction de ce que j'ai. J'ai des coms de ball. Pas grand chose avec tout ça. J'ai pas de Liga là. Merde. Ça m'arrange pas ça les gars, je me fais niquer là. Vas-y, je pars sur des Français. Hein. On va partir un peu sur des Français, hein. Je vois pas comment je peux partir différemment. La Liga, je peux me balder. Je me balder ou pas? Non, il est vendable. C'est... Je peux le vendre. Ah non, mais je le joue dans mon équipe. Je suis... Là, j'ai parti sur Tagliafico. On a de la Ligue 1. Un peu tout, les gars. Là, je suis en train de faire. Ah, lui, c'est bien. Je peux le mettre là-bas. On a quoi? On a quoi? Espagne, c'est très bien ça. Ah oui, il peut être mousse. MC, lui. On a. C'est bien Nice. Ça va pas Zakaria là. MJ, on a quoi? Espagne encore? Voilà. J'espère que le défi va être validé comme ça. Hein. Putain, j'avais pas mal de Libertadores quand même, je trouve. Hein. Oh, tant pis, maintenant on fait ça, mais. Sur ce côté au Ramos. Et lui, hein. Quoi que ça, hein. Pays max 4, merde. Bah ça déjà Argentine je vais laisser, Croatie on va bouger. Là on est à 5. 5 ok. On peut mettre Areola les mecs. On peut mettre Areola. Hein. Collectif, on n'a pas le col non plus visiblement. Les joueurs là qui nous font chier. Hein. Tu m'as quand il servait. Ouais mais c'est chaud hein les gars. Hein. En fait, faut que je lance quand même, faut que je laisse français. La Liga, j'ai bien envie de laisser, mais c'est chaud. Les gars, comment je peux le faire? Jerry Costa, c'est... Non, c'est pas bien. C'est trop le monde maintenant. Ouais, c'est abusé, c'est triste. Je vais mettre Jeroyo au sortir ou pas que Jisung. Je porte Jeyoro, moi. Sérieusement, la France Foot se fait cracher dessus avec le match annulé d'aujourd'hui, la finale de LDC et tous les derbys remplis de violence. Mais c'est ça le problème. Suisse, Allemagne, Italie, c'est le même... Beau Italie, ça s'est bien calmé à cause des sanctions, des lourdes sanctions et ça et de la grosse sécurité. Mais est-ce que les gars, selon vous, c'est un manque de sécurité tout ça? Rollin, c'est bien, ouais, c'est bien. C'est... Vas-y, j'aimerais bien faire le truc là, je sais pas comment faire. C'est vendable le pack, je crois. Comment on peut faire? J'accepte pas sur le PSN, je suis désolé, frérot. Merde, ça bug là. Attendez. Tant pis. Ouais, je voulais faire un truc, mais tant pis. C'est bien Julie, non? On en parle pas, d'écrit raciste. Mais ça, les gars, on l'a aussi dit. Ça doit être condamné aussi. Ça doit aussi être condamné. C'est terrifiant, les gars. C'est terrifiant de voir ça encore. J'espère que ce mec-là va se faire choper. T'as su Bordeaux-Rodez ce qui s'est passé? Non, pas du tout. J'ai vu gagner 2-0, ils se sont fait revenir de 2. Ça serait possible que tu. Ils ont. Tu peux pas le remettre, Lucas? Bon, les gars, je vous laisse un plaisir de faire ce débrief. C'était tellement intéressant. Je vous laisse.
J'ai eu une grande journée, à plus, bonne nuit et force à l'entraîneur des Lions et les joueurs des Lions. Allez Lions, merci beaucoup Lucas, grosse force à toi et bonne nuit, merci d'être passé. Pour moi oui, manque de sécurité, même s'il y a pas à faire ça, on sait qu'il y a des attardés qui vont faire des dingueries, mais c'est ça le problème. Yo mon gars, ça va Mick, tranquille. Les gars, je suis perdu dans mon défi. Prenne des DC de français Ligue 1. Et que j'enlève. Quoique même que je peux peut-être le laisser. Voilà, en fait. C'est débile des fois, mais je suis fort. Hein. Regardez la fin de live demain. De toute façon, ça va pas être un live très long, frérot, mais c'est gentil, Abel. Passe une bonne nuit, mon pote. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dormir, et même moi, les gars, je vais pas stream très longtemps. Hein. Je fais mes packs sur mon code secondaire. Je regarde s'il y a des amis qui nous invitent. Et puis, on a surtout fait le débrief, hein, je pense, à chaud. C'était la chose à faire. Faut que je mette Mbok. Les gars, est-ce que je me lance le défi de faire le pack héros sur mon code secondaire? J'aimerais bien le faire. Vraiment, j'ai envie de le faire. Terrible, terrible envie que j'ai. Je vais le faire, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de le faire. Mais vraiment terrible comment j'ai envie de le faire. Faut que je mette des 83 et tout là. Hop, on va balancer là. Hop, 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 hop. Ça, c'est que 84 de notes. On devrait pouvoir le faire, les gars. Faudrait juste que je mette un Gundogan dedans. Hein. Internet précis. Normalement, je dis bien normalement, on devrait pouvoir le faire. Mettre 2-3-82. Jamais. Il s'est passé quoi Bordeaux? Ouais, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé Bordeaux. Le gardien de Rodez a pris un rouge, du coup un mec aveugle et chambre vire leur chute. Du coup, Elis lui a mis un coup de boule. Elis lui a mis un coup de boule? Wesh. Mais il se passe trop de dinguerie les gars, hein. Les supporters deviennent fous. Hein. Ils deviennent débiles en fait. Hein. C'est réel, hein, y a pas d'autre mot. C'est réel. C'est triste, hein, mais c'est la réalité de nos jours. Hein. Et on a des... y a des supporters débiles hein, dans le monde. Les gars, je suis en train de faire le pack hero sur mon compte secondaire. Genre, je pensais jamais le faire, mais je pense qu'on peut se le faire. Ça va, Jérémy, tranquille? Oh, c'est bien, hein, ça nous fait des petits packs. Allez, de la note, s'il te plaît, j'en ai besoin. Vraiment, là, c'est une question. Kimmich? Kimmich? Oberdorf? 87, elle. Allez, 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 allez. Non! Mais non! Là, coup de boule, mais c'est des niqués, frère. C'est des niqués, mais des coups de boule, je sais pas quoi. Mais c'est des zinzins, frérot. Les gens sont fous. C'est vraiment terrifiant les gars. Moi du coup je vais cash vendre hein, parce que je me dis que je peux me faire cash des crédits dessus. Donc on dit pas non. Sachant que comme je suis en train de faire le défi, bah voilà, faut le faire. Mais moi je suis content de le faire sur mon compte secondaire. Je suis grave content de le faire. Allo Borica. Pas ça va partir, mais en tout cas on vend. Hein. C'est clair. C'est vrai qu'un coup de boule c'est... Les gars, ce serait tellement beau un jour sans embrouille dans les stats, sans trucs qui partent en couille. Ça serait bien, franchement. Je le cache pas, hein. Ça serait magnifique. Hein. Mais bon, c'est comme ça maintenant. De nos jours, on doit faire avec. C'est triste à mort. Hein. C'est vraiment triste à mort. Bon, je vends tout. Je sais pas, les gars, si je peux me permettre de faire le pack. Hein. Ça va, Flippo, tranquille. De toute façon, je me le fais, les gars. Ce soir, le pack hero, il est fait, hein, je vous le dis. Hein. 85 de notes, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, après j'ai 2,87, 1,84, j'ai Sergi Darder, je le mets hein, tant pis. Et j'ai pas assez de crédit, ça c'est clair, net, précis, j'ai clairement pas assez de crédit. Pour l'instant les gars, on est loin de faire le défi visiblement. Il manque masse joueurs. Je vais essayer de faire des packs de joueurs là si je peux là. Il me faut de la note hein. J'ai pas trop le choix. Parce que là va falloir que j'achète. Je vais en faire hein, du coup. Parce qu'il n'y a pas d'autres SBC hein. On est d'accord hein. Oh, en plus j'ai des joueurs comme ça, let's go. Ouais les gars. C'est bien ça les gars. Ça nous fait un SBC, des SBC cadeaux. J'ai Barbatov. Ah c'est pas ouf. Bon je taille à plus les gars. Ciao ciao mon pote. Moi je le fais sur le code secondaire parce que comme dit les gars, mon code secondaire j'ai pas d'équipe. Donc même une merde, c'est une win. Tu vois. On peut s'en faire au moins deux, les gars, des packs de joueurs. Il faut espérer de la note. Hein. Là, faut vraiment. Si j'ai pas de note, je suis un peu dans la sauce. Bon, je t'aille à plus, les gars. Quand le prochain live, ça sera lundi. L'heure, je sais pas encore. Je vous tiendrai au jus. Pas Twitter. Vas-y, je vais aller voir. Les infos ou quoi? C'est bien que tu m'identifies à chaque fois, mon ref. Hein. Merci. Comme à l'ancienne. Hein. ActuFoot. Les joueurs de staff sont venus saluer les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. C'est beau ça.
Ça c'est beau ça les gars. Vous entendez normalement derrière. Regardez-moi ça, c'est beau. Je dirais ça me donne des frissons. Ouais, gros saut. Ça me donne des frissons de fou, frère, ça. C'est salement beau, ça, les gars, quand même. Les gars, Lyon, ils vont se relever, vous allez voir. Vous allez voir comme quoi ils vont se relever. C'est une dinguerie, hein. Moi, je reposte, les gars. C'était beau. Franchement, ça fait plaisir de voir des images comme ça, quand même. Hein. C'est ça, le football, au bout d'un moment. C'est ça, le football, les gars. Faut le dire, c'est beau. Moi, ça m'a fait plaisir de voir des images comme ça, vraiment. Bref, on va continuer ce qu'on était en train de faire, quand même. Je vais mettre lui. Ah, mais c'est bon, en fait, déjà. Qualité des joueurs titulaires. Ah merde, je fais amélioration argent, je suis con moi. Je suis débile ou quoi? Mais en favori? On en fait deux les gars. J'ai pas mal tof. Tac, tac. On se dépêche de faire ça, on finit avec le pack hero sur mon code secondaire. Ce son il est incroyable. Mais va voir. Allez, on ouvre ces deux packs. Et en fonction des joueurs qu'on a, on sait si on peut faire le pack hero ou pas sur le compte secondaire. J'espère parce que sinon je suis dans la sauce. J'ai déjà fait une équipe. Sachant que j'ai 12 000 pour acheter un joueur au pire. C'est, tu vois, si vraiment c'est jouable, t'as vu. Gardien. Allez, de la note. S'il te plaît, de la note. Je crois pas que c'est de la note, ça, Portland. Yes, les mecs, 84. Ok, on prend. Ouh, salut Zam, ça vaut quoi? 84, on prend, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, encore de la note. Balance-nous de la note. Espagnol, ça pue ça. Oh non, ça pue. C'est Baldi, peut-être que je peux vendre le mien. Ok, je peux vendre le mien. Bonne nouvelle. Je peux vendre le mien, c'est une très bonne nouvelle même. Voilà, bon après, bonne nouvelle. Bon les gars, on a un 84. T'as réussi un objectif? Là? Ah, bien vu, ouais. T'es sûr que c'est pas des bugs? Oh, c'est des crédits. Pack de joueurs, les gars, let's go! Frérot, j'ai pas une. Tu sais, c'est qui le deuxième pack hero? Crouch. Peter Crouch. C'est sûr, c'est lui. Allez, la note. La note, on demande la note pour le pack hero, frérot. C'est tout, allemand, c'est pas mal. Gardien, c'est pas mal. Neuer, c'est sûr. C'est Neuer, bébé. Le pack hero, il est là, les gars. Le pack hero, il va être fait. Let's go. Voilà, mon gars. Eh oui, on a réussi un objectif. Grâce à moi. Bien sûr, Mick, j'allais te le dire en plus. Grâce à toi, mon poulet. Là, les gars, c'est sûr, on peut le faire. C'est sûr qu'on peut le faire, c'est sûr les mecs. Oh là là, je suis content, pas de secondaire les gars, vous allez voir, on va avoir... Ouais, ils abusent. C'est sûr les gars, on va avoir du lourd là. Guettez bien. Là, on a réussi à avoir de la note, c'est tout ce qu'on demandait. Guette-moi bien. Hop, bam. Et hop, bam. Bon, on a toujours pas la note, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut qu'on regarde ce qu'il nous faut, ce qu'ils nous demandent. À mon avis, ils vont demander du 86 là. Genre, je sais pas, à Kroos par exemple. Je peux juste acheter un 86 de toute façon. Yes. Les gars, on peut le faire. Alors attendez, je vais voir si je peux baisser la note. Regarde pas ce Martinez là.
Je vais voir si je peux baisser la note. Je vous remets le son, il est stylé. Est-ce que ça passe si on baisse la note? Si baisser la note, oui. Un 84. Pensez à qui en 84. Un gardien, hop. Ok, ça c'était sûr, hein. Voilà, on peut pas. Voilà, je peux même sauver mon Darder qui était titulaire dans mon équipe. Ça c'est pas beau, les gars. On peut plus sauver grand chose. Ok, bon bah les gars, c'est bon. Ça va, Tom, mon gars. Ouais, mon frérot. Bah, les frères, comme dit, hein, on finit ce pack et on stoppe là-dessus. On a pas mal débrief ce soir. On en a dit des choses. Par contre, ça a abusé le prix des 85. C'est général, les gars, les 85? Ça a monté à ce point-là? Je vais aller voir sur le marché, là. Genre, les 85, ils ont marché à ce point-là? Ils ont monté à ce point-là, là? Y'a pas, un, les gars... je sais pas, des joueurs... En 85, donnez-moi des joueurs s'il vous plaît, les frères. Comment il va le gars de savoir, tu es tranquille. Ronald, pas ton clé, une quinzaine de guignols qui se paraît, vous allez. À cause de vous, vous allez peut-être gagner sur tapis vert. À cause de nous. Ouais, non, c'est pas le club, c'est vos supporters. Mais je pense pas qu'on va gagner sur tapis vert. Ils ont grave augmenté, donc c'est général. Y'a qui en 85 sinon qu'on a? Je pense à une qui me saoule. Oh merde, putain, c'est réel, ça a augmenté de fou. Bon, tant pis, on achète, hein. Est-ce qu'on a le choix, même? Tant pis. Pop. Mais Pop, c'est un 84, gros. Bon, les gars, je l'ai fait, hein. On l'a fait sur le compte secondaire. Je suis refait, quand même, là. Je suis choqué. Genre, là, c'est le compte secondaire. Match annulé. Oh, jure. J'ai c'est bien. Ouais, ça va. Onana, c'est vrai qu'il y avait Onana. Bon, compte secondaire, les gars. Guettez l'équipe qu'on a. Juste pour vous montrer que le compte secondaire, frérot, voilà, quoi. Alors ça, c'est juste pour montrer, les gars, c'est un compte, frérot, il est perdu, frérot. Donc là, les gars, je prends n'importe qui, hein. Même un joueur claqué, je le prends. C'est ça qui est bien quand tu fais sur les comptes secondaires. Moi, je kiffe ça, tu vois. Au secondaire, c'est le but. C'est que de la merde. Moi, sur mon compte secondaire, j'en ai fait 3 lose. Ah, c'était sûr, hein. Au bout de Ramirez, est-ce que ça vaudra le coup? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des joueurs que je peux rajouter? Mais carrément, même pas, en fait. Mais même pas. Carrément, c'est la merde. Moi j'ai 3 comptes. Ah ouais, t'as acheté quoi, Arnaud, au monde de ton équipe? Là c'est le compte secondaire, frérot. Y'a pas grand chose, hein. Allez, on ouvre déjà le pack prime joueur mélangé. Celui-là il peut être pas mal, hein. Espagne, buteur, Morata. Ok, c'est des 83, les gars. Les 83, comment je les prends, mais avec porte ouverte, hein. Je jure, hein. Une puissance, comment on les accueille chez nous. Parce qu'on sait à quel point c'est en axe de. D'avoir du player, les gars. Donc, je prends fortement le petit Morata. On vend tout. Hein. On vend tout, les mecs. Allez, on finit avec... avec ces 200, là. Combien? On a vu, ça coûte... Ça coûte rien, hein. Comme dit, il nous faut des crédits sur le compte secondaire. Moi, je vends tout, les gars, en mode gros roi. Tu vois, ça sert un compte secondaire, hein. Toujours dit, hein. Toujours dit, ça sert. Donc, 2 PlayStation, non, t'es fou. J'ai vendu tous mes 84, acheté 2000, je les ai vendus 4200. C'est incroyable, ça. Allez, les gars, c'est parti. C'est parti, il est là. Il est là, le beau gosse de Paquito. Après, on arrêtera là-dessus sur cette beauté. Je regarderai juste si personne nous a invité. Et puis, comme dit, on a pas mal débattu ce soir. C'était la majorité du live ce soir. Les débats. Merci encore une fois à tous ceux qui ont participé à ça. Et puis voilà, on va ouvrir ce pack. Dernier pack, c'est clair. Et puis voilà, merci encore une fois à tous ceux qui ont liké et qui sont abonnés. C'est parti, pack Hero 87 Max sur mon code secondaire. En espérant du lourd. Qui? Là vraiment je sais pas qui c'est, premier degré, hein. Rise, ah c'est lui le Rise. Bah ouais, vas-y je prends. Il peut aller à d'autres postes, les gars, parce qu'il a des stats de fou. Hein. C'est bien, non? Bah, code secondaire, dans tous les cas, je prends. Dans tous les cas, les gars, je prends. Il vaut 120 000. Bah, c'est le prix du SBC. C'est pas une win, mais... J'ai juré, je prends. Salut, ça va, Ada, tranquille? Mais c'est trop bien, j'ai un petit régal. Allez, moi, bah, ça va, c'est bien, en vrai. En vrai, ça va, non?
Faut aller MJ. MJ, c'est déjà un peu plus passable, non? Et in-game, je le re... Je le reposte... Faut que je réfléchisse. Parce que c'est un joueur qu'il faudrait que je place, du coup, dans la logique MJ. Et attends, s'il peut aller MJ, il peut pas aller... Je suis en train de voir comment je peux gérer la compo, là. Comment on peut gérer la compo 4-4-2 en vrai, non? C'est les joueurs qu'on a, on est d'accord. Moi j'ai plus grand chose, hein. J'ai vraiment plus grand chose. Là, je peux mettre la pépite qu'on a eue. Rise. C'est bien en vrai, hein. Moi je jure, je suis content. Hein. Gardien, je peux mettre qui? Enfin, je vais mettre lui, hein, il a le lien avec Rise. Moi j'essaie de faire une équipe, les gars, avec ce que j'ai, hein. Donc pas grand chose. J'ai quelqu'un au moins. De l'Ofeu, je jure, je joue de l'Ofeu. Ça va en vrai, l'équipe, les gars, ça va. La bilan 2-2 à la mi-temps, ça je m'attendais en vrai. Je m'attendais à un match serré comme ça. Vas-y, attendez, je vais voir qui. Moi j'ai plus de peur. Ah ouais, le compte il est à sec, les gars. Hein. Sec, hein. Faut le laisser tranquille là. Laissez tranquille le code, il est à sec, on a tout mis pour Rise. Tout mis pour le Rise. Mais en vrai, je suis content de l'avoir eu. Ah bah, c'est tranquille, c'est le coping. C'est carré. Notre principal, ils vont bégayer en voyant. Oh là là. Allez les frères, on va stopper là-dessus. T'as eu quoi sur ton compte principal? J'ai eu de la D dans mes paquets, frère, le compte principal. J'ai juré, c'est grave. C'est grave, c'est grave. J'ai eu des invites ou pas? Non. Par contre, j'ai reçu une image, je vais aller la voir. Après, on va s'arrêter là-dessus, les boys. Hein. On va s'arrêter là-dessus. Ah ouais. Je vous dis, c'est un bug. C'est pas mal ça, team. Hein. Après, manque de collectif à mort. Hein. Avec Pereira et tout, c'est pas mal ça. Claude, je suis pas trop fan. Faudrait qu'ils prennent Hakimi. Oh putain, les gars, je suis KO. Oh, il y aura pas de classico au sort. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, je montre juste mon équipe, encore une fois, à ceux qui l'ont demandé. Et après, comme dit, bah, on arrêtera là-dessus, les gars. On arrêtera là-dessus, du coup merci à ceux qui étaient là quand même fort. C'est pas mal, ça a pas mal débattu. Il y a combien? Il y a quand même... Ah ouais les gars, putain. Singerie, frère. Il y a 1800 personnes qui sont passées sur YouTube et 3000 personnes qui sont passées sur live TikTok. Sur un live de 1h, 1h30. Quand même pas mal débattu après d'infini. Avec ses packs, mais voilà. Du coup voilà mon équipe de la team principale, pour ceux qui disaient. Hein. Et tout le monde, ça va, Volta, tranquille. Allez les frères, je fais des gros big up. Passez à tous une bonne soirée, bonne semaine. Force à tous qui travaillent demain. Moi, je suis encore en vacances une semaine, ça fait plaisir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Force, on essaie de passer outre de ce qui s'est passé ce soir. Et je viens de venir. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé, mon sang. Je vous fais des gros bisous, les mecs. Des gros bisous vraiment à tous. À tous, à tous, à tous, à tous. Et puis comme dit, à la prochaine, les mecs. À la prochaine, passez une bonne nuit et une bonne fin de soirée. Allez, bisous, les gars. Merci pour ce live. Ciao, ciao. We'll be right back.
just filled up frame.